me dis quand c'est bon. C'est bon. C'est bon. Bonsoir la VOD. Bonsoir la VOD. Ah oh, mais c'est pas la bonne voix. Ah oui, c'est ça. Voilà. Bonsoir la VOD. Pardon. Je faisais mes réglages et du coup j'ai tout déréglé. On est sur... Bonsoir la VOD. Voilà. Ça c'est impressionnant. On est sur Oceania. Je suis pas avec Gaël, même si on pourrait croire à cette voix. Je suis avec Aurel. Et on est sur... Endless Ocean. Endless Ocean. Luminous, ouais. Qui vient de sortir aujourd'hui. Qui est sorti aujourd'hui. Ouais. Et qui aurait du multi. On est à la pointe de l'actu. 310 410 900. Litres. 310... Wow. 310 millions. Com- 310 millions. J'étais loin ou j'étais pas loin? Moi, je pense que c'était pas loin non plus. J'ai dit 12. Ouais, je crois... Moi, j'ai dit 200 millions. Voilà. Donc... Super. Bah voilà. Kilomètres cubes. Ah ouais, c'est ça. Il y a 210 millions, pas de litres, mais de kilomètres cubes d'eau. Ah, de kilomètres cubes. Bah ouais, parce qu'on compte plus en litres. Mais du coup, ça fait beaucoup plus en litres. Mais ça fait énormément plus que des litres. Ouais. Des mètres cubes. Un litre, des kilomètres cubes. C'est un kilo. On cherche à savoir combien il y a d'eau dans l'océan. Voilà. Et alors combien pèse... Combien pèse l'océan l'eau. Voilà. Ah, l'eau de l'océan. Combien pèse l'eau de l'océan. Et combien pèse les poissons dans l'océan. Mais juste les poissons. Parce que ça rajoute, ouais, tu vois. Alors, c'est ça. Et ben oui. Océan Atlantique, Pacifique, bah ils sont tous reliés après, c'est chaud. Tous. Ça ne sert à rien. Du globe. Bon. Allez, merci d'avoir accepté de participer à notre projet de recherche marine. Le QG dit que vous êtes l'un des meilleurs éléments. Ah, t'as pas dit à ça, toi. Si, moi il me l'a dit avant, mais je me la pète pas. Excuse-moi d'être humble. Okay. Team humble. Ok. J'aimerais confirmer votre position. Ça m'a toujours bien. Déplacez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi tu rigoles autant? Ça vaut pas. Tu devrais juste dire oui, c'est vrai, bien sûr. Ceci dit, c'est un des mots qui te définit très très bien. Ah, voilà. C'est vrai. Voilà. Je trouve aussi. Je suis trop bien. Voilà. Ah, ça y est, je suis en train de nager. Ah, j'aimerais confirmer votre position exacte. Déplacez-vous un peu, trop s'il vous plaît. Trop lent. Oui. Moi aussi. Oh là là. Oh là, je nage bizarre. Attends, on peut faire un truc avec elle. Je vais changer ma caméra parce que elle cache des trucs pour vous. C'est où ma caméra? Caméra. Caméra 2. Je suis déplacée, ok. Voilà, oh, c'est mieux là. Oh, ça c'est un poisson Napoléon. Vous pouvez à présent nager Napoléon. Dans la direction oui. De votre choix. Ah oui. Choix. Ouais. Position ça, confirmée. Hein. Ah oui, mais punaise, B et A, c'est inversé. Votre masque fonctionne correctement. Jouer avec la manette Xbox, toi. Bah, trop l'habitude en quand ce moment. Quand vous scannez une créature, votre masque vous fournit des informations à son sujet. Essayez par exemple de scanner un des... Vérifions que l'affichage de votre masque fonctionne. Ah ouais. On peut scanner. 36,1 milliards de litres, apparemment. Quand j'arrive pas à me figurer. Ouais, moi non plus. Alors, quand vous scannez une créature, votre masque vous fournit des informations sur le sujet. Ok. Mais quoi, c'est pas... Alors, c'est pas ça scanner en fait, du coup. J'ai pris une photo, mais je voulais pas prendre une photo. Non, arrête de prendre des photos, je t'en supplie. Ah, moi j'ai scanné un poisson de Napoléon. B. Voilà. Attends, comment tu scannes? Avec L pour scanner. Avec L. Tu où, L? C'est là. On peut scanner beaucoup de créatures à la fois. Moi je l'avais reconnu parce que je m'y connais trop bien. C'est vrai que Lox elle s'y connaît, ça c'est vrai. Notez que maintenir le bouton appuyé vous permet de scanner beaucoup de créatures en une fois. D'accord. Chaque fois que vous scannez une créature, donc il faut scanner plusieurs fois les mêmes. Transmise au QG. Ouais. Essayez d'en scanner le plus possible. On va remplir le Pokédex. C'est ça quand exactement. Vous avez scanné ce poisson Napoléon, le voile lumineux dont il était enveloppé a disparu. Ok, on est dans comme la mer ça on voit bien de loin quand on n'a pas encore scanné. Ouais. Attends, je vais faire scan de masse là. La mer voilée, une région océanique très particulière, dont les caractéristiques topographiques changent en permanence. Ok. Moi j'ai fini le chapitre 1-1. Oh le speedrun. Ça c'est parce que depuis que t'as joué, fini ça. À votre guise. Ouais, bien sûr. Prévenez-moi. Ah ouais, chapitre 1-1. C'est bien parce que le style et tout, ça, c'est bien moderne. C'est ça. J'ai parlé des cols dauphins il y a pas longtemps. Un nouveau chapitre de l'histoire est débloqué. Pour y accéder, sélectionnez l'option histoire. Ok.
Envie de croiser des créatures difficiles à rencontrer pendant une durée Oh. limitée, profitez de ce site spécial où vous attend une riche faune marine. Dis-moi Dont des bancs de plus. poissons rares et de grosses créatures que vous n'avez encore jamais vues. Qui font combien de kilos? C'est important ça. Ah, plongez en groupe. Ah, ça y est, j'y ai accès. Ah, d'accord, bah let's go. Waouh, tout ce qu'il y a. Tu me dis okay. que quand t'es sur le menu. Je suis sur le menu. T'es sur le menu. Alors, je vais aller dans plongez ah. en groupe. Les On parle des règles communautaires communautaires. De Nintendo s'appliquent. Ouais, ça d'accord. Bon, plongez oui. en groupe. Entrée de code d'une plongée existante. Mais on n'est pas amis sur Switch tous les deux. Non, je crois qu'on n'a jamais joué sur Switch. Ouais, non, je crois pas. Ouais, bah attends. Sur un nouveau. Je crois, j'ai mon code ami. Normalement, je crois si je fais ça. Avant, quand je jouais Animal Crossing, il y avait mon code ami qui était dispo tout le temps. Ah oui. Et après, du coup, j'ai eu plein de gens que je connaissais pas qui m'ont ajouté. Et après, du coup, j'ai arrêté de le mettre. Ah bah oui. Tu m'étonnes. Hop là. Vos amis peuvent se joindre à vous dans une plongée en groupe si vous leur communiquez le code de plongée. Ah non, ah, code de plongée. Ah bah c'est affiché. Easy alors. Ouais. Ah bah ça va être easy. Ouais. La charge pour l'instant. Voilà, début de la plongée. Ça y est, j'ai mon code de plongée. Ah ok, rejoindre. Canner les créatures, ok. Salut Fred. Alors attends. Profil, registre, personnalisé, mystère, option. Si je vais dans option, non. Bah c'est bon, en tout cas, je peux au pire afficher, je peux au pire mettre le code, si t'as un code. Oui, c'est juste qu'il est où, du coup attends, je regarde sur ta POV. Alors, oui, non, c'est pas là, registre. Ça s'appelle le registre, ça c'est les poissons, ouais. Parce qu'il s'était affiché, mais après le panneau de fiche, c'est... Créature identifiée, 1%. Ouais, ça, je m'en fous pour le moment. Attends, je vais en faire une aussi, je vais voir. Ah, tu peux tout... Oh, tu peux masquer ton hub. Donc avoir un écran complet où tu vois que ton plongeur. Ça, c'est bien, ça, si tu veux faire des photos, des machins. Ah oui Mais c'est pas ça que je cherche. On peut faire des belles photos. Ouais, mode photo, c'est pas ça non plus. Nombre de plongeurs qui peut être présent en même temps sur plongeur. Un site de ah voilà, code de plongée, ça y est, je l'ai. Tu le veux? Ouais, parce que c'est vrai que moi je l'ai Alors. Vu aussi vite fait, mais j'ai pas eu le temps. Ah, mais j'ai spawn pas au même endroit que toi. Oh, c'est beau. Oh, ça va être stylé. Mince, c'est pas ça. Ouais, ça va être pas mal. Du coup, mon code, tu me dis quand c'est bon. Je vais faire surface, j'imagine que c'est une manière de dire quitter. Non, pas du tout. Ah si. Ah, on va rester appuyé. Je m'en vais. C'est pour voir comment ça marchait quand tu crées une game. Ah, il y a des ouais. bilans de plongée à la fin et tout. Ok. Bah, faudra explorer, faudra trouver des poissons. Ok, ok. va falloir... Ah mais attends. Ah mais parce qu'en fait, oui, il y a des gens qui sont là où je suis, en fait. Ah, t'as d'autres parce gens que... Bah, en fait, j'ai ma carte. Tu là, je suis sur l'écran de la map. Et la map, en fait, elle se dé... Comment dire ? Elle se dévoile. Elle se dévoile un peu au fur et à mesure. Et ça a l'air d'être des gens qui nagent. Et j'ai le nombre de créatures identifiées, le pourcentage augmente. Là, il passe à 9%. Ah, ok. Exploration du site, 7%. Alors que je bouge pas, je suis en pause. Ah Donc, oui, je d'accord. Me dis que On a d'autres des... joueurs. Ok, il y a des... Bon, d'accord, ok. Des... Voilà. Des voilà. Et ben, bah, je suis prête pour le code. T'es prête ? Alors, JW... JW... TKT... TKT Isoké. 7. JW TKT 7. Ok, je rejoins. Ouh, Endless Ocean Multi, c'est incroyable, il a fallu attendre 2024. Ça... Ouais, c'est ça. J'ai mis sans collaboration, peut-être que c'est ça, peut-être que ça veut dire que les gens, du coup, ils peuvent pas... Ah ouais, tu veux qu'on joue ouais. ensemble, mais pas trop, quoi. Si, mais... Ah non, mais c'est avec collaboration, en fait. Bon, voilà, c'est... Ah, mais est-ce Début que ça veut dire plongée. Que... Collaboration. Je sais pas du tout. Je sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, à la fin, il y avait un bilan de collaboration. Oh ouais. Ouais, y a un gros truc. Il y a un requin balai. Et où? Et où? Je sais pas, je ping. J'essaye toutes les touches. Co, co, co. Mais attends. Coule, 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 coule. Quac, quac, quac. Qui, qui, qui. Coule, 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 coule. Quac, quac, quac. Attends, je cherche la map. Mince, j'ai fait une photo encore. Arrête de faire des photos, je t'en supplie. Arrête de faire des photos, Lox. Arrête de faire des photos. Comment t'affiches la map? Ah,
X. Avec... ouais. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je te vois... Mais pourquoi on se voit pas alors qu'on est dans la même scène ? Moi, je vais au point de départ. Ah oui, bah pareil, tiens. Point de départ. Mais est-ce qu'on a le même point de départ ? Ah, je fais coucou à quelqu'un. Ah. Je crois. Ah, Takashi collabore. Ouais, comment ça, Takashi collabore ? Ah, mais il y a quelqu'un avec... Attends. Mais je... Attends, le jeu m'indique qu'il y a quelqu'un avec moi, à côté de moi, mais... Ah oui, il y a Takashi ! Oh, Takashi ! Coucou, Takashi ! Et Takashi, tu peux dégager de mon océan, s'il te plaît ? Salut, Alcharis ! Non, c'est pas une raie, c'est un caillou. Ah non, c'est, on dirait un truc un peu... C'est pas une raie, c'est un caillou, tu confonds les deux ! Non, mais... Non, j'ai découvert un peu comme... Vous approchez de l'antique disque de pierre. Qui voulait secouer. Un antique disque de pierre, une voix semblant venir du fond. Les mots qui avaient afflué dans votre esprit s'évanouissaient. Vous avez l'impression que la table des mystères. Revenez nager ici aux côtés d'un gros poisson au nom céleste. Eh ben, ça a vibré. Eh ben, j'ai rien compris. Bah, parce pareil. Que j'ai rien lu. Eh ben, j'ai dit à haute voix, mais j'ai pas écouté ce que j'ai lu. Pareil. T'es où ? Moi, y'a un requin baleine à côté de moi. Mais t'es pas là ! T'es où ? Je... Poisson ange bandit. Ah, t'as pas vu des poissons ange bandit, toi ? Je vois des requins baleines, ma gueule ! Ah, bad boys, petit quand même, spécimen. Les poissons ange bandit. Moi, j'ai vu un petit spécimen de requin baleine. Oh, ah, ouais. Le bébé ! Ce requin, reconnaissable aux nombreux points blancs qui constellent son bébé, je voulais pas la photo. N'est rien de moins que le plus grand poisson du monde. Eh ouais, plus grand poisson Sa du monde. Sa large gueule est tapissée de toutes ses vignes. Ah ouais, Vinu Takashi, c'est vrai. Il ne se nourrit que des petits poissons et du plancton contenu dans l'eau de mer qu'est-ce qu'il avale. Qu'est-ce que... Pourquoi... Il est dépourvu de vessie natatoire. Mais sa flottabilité est assurée par lui en fait qui est stocké dans l'eau. J'ai aucune idée. Tirage au sort de balise. Requin baleine. Moi, je vais aller voir ma pote. Bah ouais, mais moi, je vois des... Attends, bah dans quelle case ? Tiens, on va se dire. T'es dans quelle case ? Ah oui, bah tiens, ouais. Je suis en, on va dire, B4. Et toi, t'es où ? Je suis en E0. On E0, se... bouge pas, j'arrive. Ok, je peux aller vers le 4 au pire, ou le B. Ouais, attends ! Il y a un truc qui clignote, un requin. Pardon, excuse-moi. Oh, j'ai plein de tout petits poissons ! Mon score de je sais pas quoi, il va être immense. Oh là là, requin corail. Requin corail, c'est à pointe blanche, ça. Ouais. Absolument. Requin corail, on est bon. Comment il remonte facilement ? J'ai une tige. Comment c'est pas une tige. Non, mais comment ça s'appelle ? C'est une cornette rouge. Une cornette rouge. Et moi, j'ai un porc épique. Oh, le bébé. Et moi, j'ai un... une dorade japonaise. Oh, c'est pas très beau. Mais... Moi, j'ai un poisson perroquet. Il pourrait y avoir une CMI transmission dans cette QG. Des signaux biométriques inhabituels ont été détectés dans cette zone. Merde. Bon, moi, il dit une CMI. Des relevés anormaux. Ouais, une CMI. Elles apparaîtront sous la forme de cercles oranges. Ah, les cercles. Votre okay. Scanner clignotera également en orange. Eh ben oui, j'ai vu qu'il y avait des cercles oranges. Oh, il fait nuit. Est-ce qu'il y aura d'autres poissons la nuit ? Forme de cercle. Oh, regardez, regardez le requin. J'ai pas tout écouté. Requin, requin balle. Putain, je vais faire B, mais je fais A. Je scanne tout ça d'un coup, là. Oh. Comment je faisais pour cacher ton le... rouge du Pacifique. Oh, mais il y a plusieurs... Il y a plusieurs requins baleines, en fait. Calandre Antarctique. Gros spécimen. Allez, poste chirurgien. Ah, t'as une dory. Et un poisson ange. Alors, t'es toujours en E0 ou pas ? Ah, je sais plus. Je vais regarder. Alors sur la map, il y a vraiment des gros cercles oranges, effectivement. Toi, le phasme. Je suis en E1. Le phasme. T'es en E1. Comment j'arrive. Ça, un phasme. C'est dans mon chat. Il se traite de phasme, truc. Phase de phasme. Moi, j'ai le meilleur chat du monde. Ça te fait rire ? Pourquoi tu ris ? Pourquoi Parce tu moi, ris ? Moi, j'ai eu des phasmes. Voilà. Du coup, je suis super joyeuse quand on parle de phasme. Je vous ai dit, elle est bizarre. C'est
C'est toi, bizarre, t'as pas eu des phasmes? Tout le monde, il a eu des phasmes. Moi, j'ai vu des sérioles du Japon, là, tout de suite. Et ben, c'est un peu stylé. T'es où, alors, si t'es en E1? Je m'approche de E1, là. Je sais pas. J'y vais. Attends. Ah, je suis retournée en E0. Je retourne en E1. Mais est-ce t'es pas très profonde, toi. Ah, je veux dire... J'ai un peu... Ouais, j'ai choqué mon chat. Pardon, le chat. Pardon, le chat. Moi, j'ai rigolé. Non. Ah, mais ça c'est une Pastenag. Ah, t'es là, Alex. Vrai léopard, Pastenag. Waouh. Mais non, c'est moi. C'est pas une raie, c'est moi. Mais oui. Mais là, en face. Hey, du coup, attends, on peut faire des émotes. Ouais. Oh, l'émote orc. Oh là là, un de mes animaux préférés au monde de ma vie. Et ça fait quoi, l'émote orc? Bah, je sais pas. Moi, je peux faire coucou. Moi, je peux faire hop, et je peux faire ça. Salut, oh, Chocapix. Regardez, je chill. Oh, je chill en max. Tu... Oh, le chill. T'as vu, comment je chill. Comment tu chill? Waouh. Faut être cool. Faut... Ah, mince, ça veut dire que je peux pas chillax, moi. Je peux pas... Mais moi, j'ai même pas les modes orc. On n'a pas les mêmes, je crois. Ah, regarde. Si, mais appuie sur Y. Il va bah passer ouais, sur, mais... les, sur les... Ouais. Bah, moi, je dis ça. Moi, j'ai pas l'extraterrestre, c'est vrai. Bah ouais, moi, j'ai pas d'orc. Moi, j'ai une montagne. Mais toi, t'as un escargot, toi? J'ai un petit gland. Ah. Pardon. Est-ce que vous pouvez me sampler cette phrase sortie de son contexte, s'il vous plaît? Un gars, il a le sample où je dis « Elle est belle ta boule !» Et toi, j'ai un petit nom. J'ai l'impression qu'on a un petit registre quand même, ensemble tous. Là, on a quelque chose. On a quelque chose. Bah voilà. C'est pas mal, ça. Eh, ça, c'est une roussette, voilà. Je pense. Où ça? Là. Ça, là? Attends. C'est quoi qu'a scanné? J'ai oublié. C'est elle. Et c'est requin dormeur. Oh, requin dormeur. C'est mignon. Bah, c'est tout joli. Ouais. Oh, bébou. Oh. Non, mais ça c'est... Ça, on c'est, va, on c'est va être pas, comme ça c'est pas possible. Chaque poisson. Ah oui, oui. Là, c'est... Là, c'est beaucoup trop... Eh, viens, on va un peu dans les profondeurs. Regarde. Attends, j'avais pas scanné l'arrêt. Oh, scanne l'arrêt. Bah, c'est ce que alors, je fais. Attends, scanne t'arrêt. Tu sais pas quoi faire. Eh ben voilà. Mais scanne t'arrêt. Ah, mais c'est une autre pastonnade, ça. Mais oui, c'est pas la même. C'est pas la léopard, celle-là. C'est la queue courte. Je crois pas. Poisson ange à croissant. Wow. Poisson. Quoi? Carangue vorace tacheté. Oh, des carangues, j'ai pas vu carangue à ta sous. C'est, bah, ah oui, elle brille là-bas. C'est le gros groupe, là. Ouais. Mimoso. Ah, mais moi, ça a scanné autre chose. Merci, Mimo. Les demoiselles l'a créé. Merci, Mimo. Tu viens, on va vers un des ronds orange de la map, là. Attends, je sais qu'il y en a... Je fais B. Oh, c'est cool, quand même. Salut, Choukatou! Salut, Booba! Salut, petit plongeur! Comment ça vas-tu? T'as vu, on est des petits plongeurs. On est d'accord que tu n'articules pas les pseudos de tes viewers. on est d'accord, tu balances des syllabes random. Oui, d'accord, okay, t'as pas le temps. Ouais, voilà. C'est parce qu'il y a trop de syllabes dans ma bouche, alors elles sortent d'un coup. Oui, bah pardon. Elle est profonde, t'arrêt ou pas? Et coucou. Et coucou. Et coucou, c'est qui? Coucou, c'est qui? Eh, viens, on va faire des trucs. On plonge. Oui, voilà, moi aussi, je voulais faire ça. Attends, est-ce qu'on peut accélérer avec B, tu donnes des petits allons coups de... Allons plus profond. Ouais. Oh, c'est sombre. Tout à l'heure, j'étais profond comme ça quand je t'ai dit t'es pas très profonde. Oui. Oui, je me doutais que c'était en rapport avec la profondeur. C'est... Oui. Évidemment. T'es où? Ok, ça c'est quoi? Je me suis arrêté à l'espoir, il y a des tons. Il y a des tons, Germon. Des quoi? Il y a des tons, Germon. Des tons, Germon. Ah, mais je te vois sur la minimap. Oh, mais ça, c'est... Oh, mais ça. Oh.
Oh, les baudroies, mais il y a une baudroie. Oh. Oh, fat ton de... obèse. Il y a un ton obèse gros spécimen. Oh là. Mais quoi? C'est pas moi. Tu te moques? Tu te moques du physique? Je rigole parce que ça n'a rien à voir et je rigole à d'autres blagues. Ah pardon, excusez-moi, pardon. Je pensais qu'on baudroie. Se rimait tous les deux. Non, ça va. Baudroie du Japon. Baudroie, t'as vu la baudroie? Non, c'est la baudroie. T'as essayé de faire la voix de la baudroie ou pas? Non, non. J'ai voulu chuchoter, mais sous l'eau. Ah oui. Merci, ça. Merci pour le resub, Tsuma Rocha. Il sait comment pas dire votre pseudo, en tout cas. Moi, il dit « j'articule pas », alors lui, en fait, il lui cale. Mais n'écoutez pas cette personne. Descends plus. Mais merci pour ton... Mais quoi? Et arrête de me donner des ordres. Non hein? Jamais. Ah bon, pardon. Le poisson ange. Poisson lune, pas poisson ange. Poisson ange. Poisson lune, poisson lune. Oh, trop beau. Mais il y a une tortue aussi. Mais t'es où? Je suis descendu, descends. Ah si. T'attends, descends. Ah mais hein, c'est la gante. Poisson ruban? Ouais, poisson ruban. Oh! Quoi? Oh là là! C'est quoi? C'est une baleine, cachalot? C'est quoi? Je vais te dire ça ce que c'est... Baleine franche du Pacifique Nord. Moi j'y vais, c'est la gante. Elle fait 1565,33 cm. Moi aussi je la vois, moi aussi. Tu la vois? Je l'entends. En fait, je la vois pas, mais j'entends. Oh, ok. Elle est pas loin de moi. Oh. Lancier long nez. Requin grande gueule. Ah, oh, un requin lox. Mission terminée. Mais t'es plus profond que moi encore ou pas? Ouais, c'est toujours. T'as combien de profondeur, cette toi? Cette mission est terminée. 1000. Non, attends, bon, je vois pas. Sur la droite, en haut à droite, t'as 130. J'ai moi, genre je suis 70... vers 140 mètres. 70. Ah, oh, ben voilà, la baleine. Transmission du QG. Très importante source de signaux. Non, mais je m'en fous, je veux la baleine. Ta gueule avec tes signaux. Habituel. Qu'est-ce que tu m'emmerdes dans la zone. Elle me bloque alors qu'il y avait une baleine. La baleine, elle s'en va. Notre drone le plus proche. Laisse-moi tranquille. Voici les images prises par... Ah, ça m'a dépé. Les images prises par je sais pas quoi. La baleine, j'ai pas pu la scanner, j'ai à peine vu. Tsuma Rocha, pour les 1 an, promis, je dirais ton pseudo du premier coup. On dirait qu'il s'agit d'une sorte de poisson des profondeurs. Oula. Ouh, il est beau, il y a des poissons inventés. Il est beau, hein. Ouais. On dirait les bêtas, les combattants, mais en immense. Et ses longues nageoires pectorales, oui, un peu, les combattants, donnent de la, oui, légèreté à ses mouvements. Il nage d'une manière très élégante. Bah c'est moi qui décide s'il nage d'une manière très élégante, de toute façon. T'as besoin de me décrire ça, hein. Ouais. C'est induit, en fait, si c'est élégant ou pas. Oula. Waouh. Il a fait une sorte de tour sur lui-même, Rorsch, et on dirait Rorsch, qu'il change de couleur. Oh, il a changé de couleur. Tout à fait étonnant. Approchez-vous de lui, scannez-le, et envoyez les données au QG. Scannez-le. Transmission. Moi, je scanne ma baleine. Données de la CMI bien reçues. Ce poisson semble être apparenté au genre Caryproctus, qui réunit un certain nombre de poissons humains. Le développement de ses nages, en raison de sa nage particulière. Caryproctus. Oh, la baleine! Non! Attends, B, t'es où? Je l'entends! J'entends la baleine! Elle est en dessous de moi? Non. Bon, attendez. Mince, mais je prends des photos tout le temps! Calais. On peut pas aller plus vite si comme ça. Spam B, ça te fait. Ah, une t'as combien de mètres de profondeur? Combien de mètres de profondeur tu m'as dit que t'étais? Là, je suis à 75. Je suis à 140, donc t'es plus haut. Ouais, j'ai eu la baleine. Ah, je me suis cogné le coude. Oh, il y a des petits crabes. Des crabes araignées du Japon. Ah, les crabes araignées, c'est trop stylé, c'est immense. Bah viens à 140 mètres alors. Ouais, bah y'a des choses entre... Ah mais attends, y'a des petits... Oh, la tortue. Ah, t'as vu une tortue? Moi, je vois, ouais, des boules de feu. Des boules de feu? Oui, des boules de feu bleu.
Ah, c'est écrit rare. Maharaja de cacao. C'est rare. C'est une espèce rare. Oui, enfin ça, c'est des fruits que tu viens de ramasser, là. N'importe quoi. Punaise, mais il y a plein de trucs bleus à ramasser. Poisson lune. Ah mais oui, les pots de trucs bleus, je les vois. Tu les vois maintenant? Oh, ouais. Requin renard. C'est trop beau, les requins renards. Et ça, c'est quoi? C'est un lutin? Non, c'est pas un lutin. C'est un requin blanc. Oh, il est bizarre. Les lutins, ça vit en forêt. Les lutins, ça vit dans l'eau. Colacante, ouais. Oh, mais il y a plein de poissons que je connais pas. N'est-ce pas doux? Ah, oui. Tu connais pas tous les poissons du monde. Ah, bah super, Lox. Je suis non, hyper déçu. Ils se sont pas tous présentés. Centrine. Tortulute. Mais ah, Centrine. Hein. J'ai vu Centrine. Quoi? Quoi? Pourquoi tu dis waouh? Attends, moi je veux voir des trucs, mais il y a trop de trucs déjà. C'est quoi ça? Parce que mon lancier long nez, je l'avais. Non mais attends, c'est ça que je voulais scanner moi. C'est ce requin là. Un Rebellatrix. Oh. C'est... Un angelot. Un angelot. Ouais, c'est un requin. Enfin, ça ressemble à un requin. Angelot. Ah mais d'accord, maintenant on a des petits points quand on scanne. On a des petits trucs. Brise pas la table. Bah ça risque pas, c'est mon coude. T'inquiète pas, la table n'a rien. Hein. Mon coude qui a eu mal. Bordel. C'est honteux. C'est quoi ça? Masca laboueur. Laboureur. Laboueur. La... Poisson lune à bosse. C'est pas ton... Eh, on a 51% du site quand même. Ouais, quand même. Nouvelle taille minimale. Est-ce que nouvelle le jeu, taille le jeu... minimale. Oh, qu'est-ce que c'est que ce... Le jeu me lance des fions. En fait. Wouah, t'es... Et moche et beau en même temps, c'est tellement rigolo ça. Ophtalmosaure. C'est... Je parle pas de toi, Lox, tu n'es pas le centre de l'univers, pardon. Putain. Depuis quand on parle pas de moi? J'ai déjà dit que quand tu... Qu'est-ce que ça fait quand tu cries sans crier? Vraiment. Ça me fera rire à vie. Ça fait putain. Ça me fait vraiment rire. C'est... Oui, c'est... Ophtalmolosaur. Ophtalmolosaur, moi aussi je veux le voir. Bah viens à 145 mètres de profondeur. Oh, le requin lutin. Il est pas du tout... Oh, il est dégueulasse. Ils l'ont vraiment fait n'importe comment. Merci, Pafolo. Squal le lait féroce. Oh, j'aime trop le grand gousier pélican. Ça, c'est très très en profondeur, ça. Et lui, alors? Je l'ai pas eu. T'es qui, toi? Requin lutin. Mais la... Ah non, mais c'est le même que tout à l'heure. Mais c'est pas du tout... Ah non, d'accord, c'est pas un requin lutin. Ok, je me disais, mais il est trop bizarre. Mais c'est un vrai truc. Oh là. Ok, je suis à 140. T'es à 140? Moi, je suis à 140 aussi. Bon, on devrait se croiser. Soir... Ah oui, t'es là-bas, je crois. Est-ce que t'es en Détroit? Je suis pas américaine. Non. Je suis en Détroit, là, oui. Ce soir. Oui, d'accord, ok. Alors, je viens vers toi. Oh, c'est quoi ça? Un requin guitare? J'ai pas vu. Mais non, mais c'est pas ça que je scannais, je scannais autre chose. Ce soir. Oh, oh, ben l'angelot. Viens vers moi. Mais c'est moi, la règle guitare, l'angelot, en fait. Oh là là, j'ai des... Mais moi je te vois pas, tu me dis viens vers moi. Un requin, ouais, t'es où? Je suis en... Oh, j'ai le poisson. Ouais, voilà, moi aussi. Ah bah moi aussi. On est pas loin l'un de l'autre. Il s'appelle comment, du coup? Inconnu. Il s'appelle inconnu. Lamba. Un mystère a été éclairci. Apsara. Lamba Apsara. Il sourit. Ouais. Il a une tête de Furby, un peu. Un peu, oui, c'est vrai. Oh, il est gracieux. Pardon. Je viens de m'entendre. Il est gracieux. C'est très gracieux. Oh là là, il fait preuve de volupté et de grâce. Il est si voluptueux. Et merci pour le follow, pardon, je l'ai lu. Je l'ai dit dans ma tête, mais je l'ai pas dit pour de vrai. Merci. Little Ericos, merci beaucoup. Elle parle dans sa tête, faut pas la... Tout à fait. Oh, bon, genre vous parlez pas dans vos têtes. Et ben si c'est ça, on doit s'ennuyer dans votre cerveau. Oh, j'ai un tout petit comme machin. Elle vous nargue. Une cigale japonaise. Oh, une épave. Il y a une épave. Oui, j'y suis.
Ah pardon. Pieuvre Mendako, c'est pas les pieuvres éléphants ça? Lutenvaz. Oh là là, quand on zoome, c'est dégueulasse, dis donc. On dirait que j'ai zoomé sur pas du tout un animal quand même. On dirait que je zoome sur une pustule. Moi j'ai essayé de te scanner, mais ça veut pas te scanner. Un scannable. Ouais. Bon, sort pustule. Sort pustule. On peut rentrer dedans, dans l'épave. Peggy 18. Mais c'est... Non mais c'est ça, mais c'est les petites pieuvres éléphants, là. Toi, la pieuvre éléphant. Non, mais c'est trop mignon, les pieuvres éléphants, t'as déjà vu? Ils ont des petites oreilles. Trop mignon. Mais elle est nulle, cette épave. On dit qu'il y a rien à y faire dans ce bateau. Oui, y a même pas un coffre. Vas-y, j'arrive pas à ça. Oula, qu'est-ce que c'est? J'entends une baleine. Cigale japonaise. Ah, tu l'as eu. Oui, c'est tout petit. Grand dame à tête dentelée. Grenadier japonais. J'ai eu le crabarini. Oui. Oula! Grenadier japonais. Une baleine, ça. Oui, oui. Mais est-ce que c'est celle qu'on a déjà scannée? Je sais pas. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une raie. Et une baleine. Et un requin immense. Oh, un requin. J'arrive pas à remonter, Oh là là, attends, mais j'arrive pas à sortir. Laissez-moi sortir. T'es où? Je suis un tout petit peu au-dessus. Oh, c'est un mégalodon. C'est le poisson tout à l'heure. Non, mais où ça? Comment t'indiquer? Il y a une raie, elle est violette. Ça n'a pas de sens. C'est pas grave. Il y a un mégalodon, je vais dans sa bouche. T'en fous de moi. Attends, je te dis ça. Déjà, je suis à 115 mètres, pas 140. La 115, ok, ok. Ok, et je te vois. Oh ah oui, ah bah je suis carrément pile en dessous de lui en fait. Bah voilà. Oh, il est beau. Oh, il y a un autre requin à côté. C'est un requin pèlerin. Il y a un requin pèlerin. Oui. Même oula, pas attends. Une borne d'arcade dans ce ratio. Oh le... Mégalodon, attends, j'ai un spectre. Un spectre. Ah oui, t'as vu? C'est une c'est rare. Violette. Oui. Ouais. J'ai eu ah, un mais tu l'avais truc, déjà... elle était... Ouais. À côté du truc... Oui. Eh ben... J'ai beaucoup de bestioles au mètre carré, quand même. Ouais. C'est un jeu fort en aventure et en découverte, hein. Ah oui. On est même pas en sponsor. Oh, il y a un... Mais c'est un marsouin. C'est un de mes viewers qui s'appelle Super Marsouin. Eh ben, c'est un hyperodon. Austral. C'est ça ressemble à un cétacé, en tout cas, un petit Oh là là. C'est vrai, Super Marsouin, c'est vrai. Et ben on a vu un peu oh de content. Oh, ça c'est quoi, ça? C'est rigolo, un peu. Oh là là. L'hyperodon austral. Endocéras. Ça, on a déjà scanné. Attendez, je rescanne un peu tout. Non, j'ai déjà eu. Un grisé, ok. Oh, c'est mignon ça! C'est poisson lapin là ou je sais pas quoi? Non, c'est autre chose. Transmission. La CMI s'est volatilisée. La CMI s'est volatilisée et les altérations environnementales concomitantes à sa présence semblent également s'être atténuées. C'était quoi déjà CMI? J'ai oublié moi. Je sais pas. Moi aussi. Si vous avez de la chance, il n'est pas impossible que vous croisiez une créature mystérieuse, non, inconnue. Le QG suit la situation de près et vous informera si elle devait évoluer. Neptunia qui me dit, je peux pas me mettre en multi-twitch parce que ça rame chez moi. Du coup, je passe constamment de l'un à l'autre parce que... Oh, mais il y a un truc de fou. Oh, mais c'est trop beau. Alors peut-être qu'on peut faire venir multi-twitch sur un autre site aussi parce qu'il y a peut-être des sites qui rament plus que d'autres, il y en a plusieurs. Peut-être. J'ai pas trop l'habitude de les faire. Poisson ogre, mais je croyais que c'était une baudroie. Poisson ogre. Poisson ogre. Ah oui, on a pas mal découvert la zone. Ah, et du coup, maintenant, je pense que je te vois sur la map, mais j'en vois plusieurs des gens. Oui, il y a plusieurs personnes. Au 3 du Japon, tout ça, ok. Non, je suis en cours aussi. Ça, j'ai eu. Bah, on peut redescendre, je pense. Là où il y a les geysers, dans la grotte. Ouais. J'ai pas y été, moi, dans la grotte. Moi, j'ai pas y été non plus. Oh, mais il y a des petits trucs... Ouais. Tout petit. Non, mais le zoom, oula, il se fait à côté. Mais ça a des poils, un peu. Oh, Galatée Yeti.
C'est rigolo ça. Galatée Yeti, ouais. C'est rigolo bien, à dire. Galatée Yeti. Galatée Yeti, Galatée Yeti. Ohé, ohé. Ouais. Est-ce qu'on a déjà joué à Abzu? Alors moi, non. Je vois tout à fait ce que c'est, mais j'ai jamais fait. C'est très... En fait, le souci, c'est que le côté poétique et contemplatif est vraiment essentiel. Et du coup, niveau gameplay de ce que j'avais vu, Abzu, c'est pas grand-chose. C'est juste une balade. Alors, c'est mignon, ouais. Mais je trouvais que niveau immersion, du coup, c'était plus... voilà, des jolies couleurs, un joli environnement. Et là, j'ai zoomé n'importe où et la caméra fait n'importe quoi. Mais qu'il n'y avait pas ce côté un peu frisson des profondeurs, truc comme ça, en fait. Je trouvais. Ouais. Du coup, bah, je l'ai pas tenté. Mais il avait l'air très mignon. Très joli. Au demeurant. Au demeurant charmant. Passons. Un peu comme moi, quoi. Tout à fait, tout à fait. T'es un peu le Abzu des streamers. Ah oui, Maharaja de cacao. C'est bizarre comme nom de portée, là, du coup. Bah oui, parce qu'en fait, quand tu vas au bout du canyon, oui, au bout, c'est... Bah, ouais, c'est ça, t'as pas grand chose à y faire. Créature identifiée 85%. On a presque fini ce carré. Pas mal. Mais faudra peut-être qu'on remonte, je pense. Parce que je pense qu'en surface, on n'a pas tout fait. Mais du coup, il y a plein de points d'interrogation. L'ophtalmosaur, quand même, il me fascine. Mais je sais pas si. Je crois même pas que je l'ai vu. Attends. Il y en a un à côté de moi, là. Mais Est-ce que c'est celui-là? Non. Je peux pas les marquer pour dire. Requin grisat. Ah, c'est lui, peut-être. Il est juste en face de moi, j'en ai un. Non, ça, c'est un rebelle Atrix. Je trouve et joli et moche. Oh, poisson ruban. Et joli et moche. Attends. Regarde le poisson ruban. Je suis à 140 mètres environ. Ah oui, je suis un peu trop haute, je pense. En E5. À la sortie de la grotte. Mmh. Là-bas. Oh, j'ai découvert aussi une ammonite blanche. Ah, j'ai découvert un vase en porcelaine. Ah bon? Oui, en fait, il y a des... Ah, ça, c'est un requin lutin. Il y a des... Il y a des pousses. Transmission. Mais j'ai pas le... Attends, c'est une mission prioritaire. Dans cette zone. Bah ouais, mais j'étais en train de scanner un requin. Scanner toutes les créatures présentant des relevés anormaux. Des relevés anormaux. Elles apparaîtront sous la forme de cercles orange sur votre carte. Votre scanner clignotera également en orange quand vous approcherez de l'une de vos cibles. Ok, les zones orange sur la map. Là, c'est celui qui est en face de moi, là. L'ophtalmosaure, là. Alors, attends, je mets le lien... peut-être l'autre lien multi-twitch pour voir si ça rame pas. Je regarde rapidement. Il y a un autre lien multi-twitch, en tout cas. N'hésite pas à essayer, Neptunia, tu me diras si ça fonctionne. Bon, ça a pas l'air d'être... Ah, je sais pas. Ça va voir. Ok, j'arrive. I'm coming. Je nage super vite. Pas du tout, c'est comme ça que je nage super vite. Oh, c'est quoi? Ça, j'ai déjà eu. Attends, j'ai déjà eu? Oui, j'ai déjà eu. Tu m'as dit que t'étais en combien? Je sais plus. Attends, 140... parce que, du coup, je suis en train de découvrir des... E5, je crois que j'étais. Ah oui, 140 environ, je crois. Oui. Oh, le Nautil. Ok, je suis en D4. Pas très loin. Pieuvre Dumbo. Bah voilà. Pardon. Les petites pieuvres éléphants, ouais. Oh, elles sont trop mignonnes. Bah, oui. Sont mignonnes. Mais oui, on dirait un Pokémon. Oui. Mais je connaissais pas du tout ça. Je crois que j'ai jamais vu. Requin. Ouais, c'est des petits trucs où il y a des vidéos qui ont un peu des vidéos faites par surtout par les robots qui vont en profondeur, parce que bah elles sont toutes mignonnes. Alors j'en avais déjà vu dans des compiles de bestioles bizarres. Ouais. Alors tu vois sur la carte, tu vois des pousses. Oui. Oui. Et ben ça, tu peux les ramasser des fois. J'en ai croisé un. Et en fait, quand tu le ramasses... Ah, c'est bon, je suis à côté de toi. Ah oui, d'accord, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas... Mais d'accord. Mais ça, c'est vraiment un Pokémon, ça, par contre. C'est vraiment... Ils ont vraiment foutu... L'ophtalmosaure. Et en fait, ils ont vraiment foutu des dinosaures. Bah, remarque, un mégalodon. Oui. Par contre, il semble petit, le machin. Même le mégalodon, il semble petit. Ouais, c'est vrai. C'était pas... Attends, parce que là, ça... Mon viseur, il bipait un peu. Ah, toi aussi? J'ai de là-bas, ouais. Moi, j'ai une sorte de... Ma manette, elle vibre. Ouais, moi aussi. Ça fait un ding. T'as pas le monopole de la vibration, là. Personne ne vibre comme moi. Un poisson ogre tacheté. Nautil, hein. Oh là là. Elle est là, la petite Dumbo. Je vais tellement rouiller sur ce jeu en off. Je suis désolé dans le chat, hein, mais je veux pas... Ah, ça, c'est la tortue lutte. Parce que j'imagine que pour vous, c'est pas ce qu'il doit y avoir de plus
palpitant. Si, c'est génial. Que... Oh, il y a Angie. Salut, Angie. Ça va? Je peux lui faire coucou? Je sais plus. Mais pourquoi ça vibre? Dis-moi oui. Bateau... Batinome géant. Mais ça fait gling bah, ça... tout le temps. Ça vibre parce qu'on n'est pas loin d'un truc qui vise. Mais je pense que c'est plus profond. Ah là, je pense que je m'en éloigne. Parce que ça fait plus. Attends, je vais retourner par là-bas. Ouais. Ça te le fait toujours, toi? T'es plus non plus. Peut-être que ça a disparu. Attends, ça a l'air d'être vers le... Ah, c'est par là-bas. Le ouest. Je viens de le refaire, attends. Tu me vois ou pas? Le est. Moi, je suis contre un caillou. Moi, ça vibre de... ça vibre plus là où je suis, mais c'est... je suis contre un caillou. Ah oui, alors. Oh, dis donc. Attends. Attends, c'est peut-être lui, alors. Non, mais arrête le, la photo. Andy a déjà trouvé cette créature. On en a trouvé tellement plus, hein, pas besoin de se la péter, Andy, en fait. Ah oui, je te vois. Est-ce que... ou alors, est-ce que c'est plus... Ah, il y a une grotte. Oh non, c'est pas une grotte du tout. Enfin, c'est... ça vibre plus, non, moi. Ça vibre plus non plus. Et peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui les ont découverts. Ah, peut-être. Peut-être que, tu vois, t'es caché... le... enfin, je sais pas. Bah, sympa, les potes. Super. Super, bonne ambiance. Super, bah on se connaît pas mais monopole de l'océan quoi, super. Ouais, super. Tellement okay, perso les... Tellement perso les plongeurs là. Ouais, tout le monde le sait ça. Je veux faire B, je fais A. Oh, c'est tellement mignon ça, les Lutenvaz. Les Lutenvaz. En deux mots. Oui, on dirait un mot un peu... Oui. Et mon perso il fait coucou à tous les étrangers qu'on croise alors moi que aussi. Les étrangers en fait ils scannent les trucs à notre place. Bah c'est ça, après ils arrêtent pas de foutre le, de prendre tout l'océan et puis nous hop voilà. Alors ouais. Que désolé Angie, mais je m'en fous de toi, voilà. Cette mission est terminée. Voilà. Oh, je crois qu'Angie c'est le perso que j'aime le moins, tu vois. Ouais bah voilà. Pas de feeling avec Angie. Ouais. Takashi ça va, il a le pseudo d'un pote, ça passe. Transmission du QG. Bonne Gaël. Nous avons détecté des signaux biométriques correspondant à ceux de l'Amba Apsara. Tu peux arrêter de nous embêter. Je vais faire des cauchemars, mais ça vaut le coup, je crois. Oui, toi, Billy Dino, tu as authentica qualidad, Poltron et Sofa. Et voilà, t'es plutôt pas très à l'aise avec la mer, toi, je crois. Poltron et Sofa. T'es un canapé, Billy. Non. J'ai jamais dit ça, moi, Billy, hein, t'as vu. J'ai beaucoup de plus, je te respecte beaucoup plus. Ça veut dire que t'es hyper confus. C'est bien l'Amba Apsara. Et il est toujours aussi agréable à regarder. Non, Emo, enfin... Nous allons continuer à l'observer à distance. Salut, Slam76. Envie d'aller se baigner cet été? Bah oui, évidemment, j'ai toujours envie d'aller me baigner, mais évidemment. Nos recherches permettront peut-être de déterminer le principe à l'œuvre derrière ce phénomène. Mais c'est sympa, mais en fait, on l'a déjà vu. Nous, on explore. Ah oui. On est des scientifiques. En fait, on veut pas d'histoire, on veut juste explorer. Donc, on veut juste dire, juste, oh, t'as vu ça veut... Ouais, on veut juste être chill dans l'océan. Oh, j'espère qu'il y aura, comme dans le premier ou le deuxième, je sais plus, aussi des zones de plongée en eau douce. Il y avait genre l'Amazone et trucs comme ça dans oui, l'ancien. Exact. Et c'était cool, ouais. C'était une autre ambiance. C'est vrai. Ouais. Avec les dauphins roses et trucs comme ça. Transmission du QG. Exact. Nous avons bien reçu les données additionnelles concernant l'Amba Apsara. Super. Après l'une de nos hypothèses de travail, si c'est le cas, ce... Laisse-moi tranquille, Océania, là. Un sup. Ah, attendez, là, il y a un truc à ramasser. Voilà, là, j'ai un petit symbole à ramasser. Hop, je le ramasse et ça me donne quoi? Ça me donne une théière royale. Ah, il y a des symboles de vase. Des symboles de vase, ça symbolise comment, ouais. La vase? De l'objet, un vase quoi. Ouais, j'étais dans la vase, j'étais oui. Encore dans l'Amazone moi. J'ai ramassé un vase en porcelaine victorien. Ah bah voilà, tu as eu. Voilà. J'ai pris une photo de nul. Ainsi qu'une théière royale. Ah bah j'ai eu aussi la théière. Tout, toi de toute façon si on t'écoute. J'avoue. Mais c'est pas grave, hein. c'est pas un concours. Ça, c'est tellement le truc des gagnants, ça. Ceux qui gagnent, ils disent ça. Et ceux qui perdent, ils sont là... J'ai trouvé un poisson, on dirait un petit zob. Il n'y a même pas de nageoire. Oh. Le squalélé féroce. Il fait rien du tout. Il est un vivant. Un petit zob qui fait rien du tout. Pardon. Squalélé féroce.
Si le corps en forme de cigare et le corps en forme de cigare. Petit requin doivent sembler mignon à première vue. Il est surtout réputé pour la puissance de ses morsures. Faut que j'arrête. En fait, je suis tout le temps dans la même zone depuis tout à l'heure. Oui, c'est vrai. On n'a pas assez bougé. Ouais. Mais c'est qu'on voulait un peu clean la zone, tout découvrir. Bah oui. Ça sert à quelque chose de récolter des trucs bleus. Poisson chauve-souris de Simmons. Oh, il est rigolo. Oula, ah ouais, trop zoomé. Oui, un peu tout plat et tout. Un peu mignon, rigolo. Ouais, j'aime bien. Oh, on dirait un poisson punk, mais vieux. Moi, j'ai eu un Bérix. Un poisson punk vieux. Ouais, le poisson ruban à pois, entre parenthèses juvénile. Eh ben, je trouve qu'il fait... On dirait, il a une tête de vieux. Mais punk, parce que crête rose. Ah, mais des fois, ça me découvre pas. Voilà, si je le sélectionne pas dans la liste, ça me le découvre pas, en fait. Je viens de m'en rendre compte. Du coup, faut scanner tout le temps. Nouvelle taille minimale. Ah oui, d'accord. Il y a des records de taille à choper. Ouais. Ça sert à rien. Bon, allez, change de zone. Ouais, faut un peu... Attends, où est-ce qu'on peut aller ? Voilà là ! Oh, mais il y a des zèbres sur la carte. Ça nage pas, les zèbres. Moi, je me dirige en... Allez, je dis... G6. G6. Je me dirige vers le G6, allez. Attends, mais je suis trop basse, je pense. Il faut que je remonte, sinon je peux pas. Ouais, j'ai la aussi, falaise qui me gêne. Moi aussi. Le tombant. Oh, mais ça, c'est un salacante plus grand, ça. Oh, mais il y a une baleine aussi. Axelrodigis. Super chelou. Bertrand, Oh là, place. Baleine à bosse? Non, bah non. Je sais pas, j'ai cru apercevoir un Léviathan, un Léviathan. Quoi? Moi aussi, j'y viens. Tout. Je suis là. Tu le vois, le Léviathan? Non. Il est face à moi. Tu viens de me passer devant, non? T'es où? T'es à combien de mètres? Moi, je suis à 75 à peu près. Bah, moi aussi. Attends, on doit être... Ah oui, au-dessus de ma tête. Oh, mais ça, c'est une baleine. Bah, non, c'est un Léviathan. Ah ouais. Aussi. Ouais, c'est un cachalot, quoi. Un cadeau, alors. Ouais. Qu'est-ce poisson lune à bosse. Mais j'avais déjà lu, ça. Bah, des fois, faut bien les sélectionner, sinon ça te les débloque pas. Ouais. J'ai aperçu. Oh, cadeau. Poisson ananas. Oh, un poisson ananas. T'aimes bien l'ananas? Oh, t'es mignon, toi. Ouais, j'aime bien l'ananas. Ouais, c'est bien l'ananas. J'ai mis longtemps à aimer, mais maintenant j'aime beaucoup. Je comprends. Moi, j'aime surtout un jus. T'es beau, toi. Oh, toi, t'es beau, toi. Moi aussi, je veux toi, voir que t'es beau. Ah, t'es beau. Un requin grande gueule. Ah oui, le poisson, le requin d'os. Oh, il y a un cadeau. Oui, je l'ai eu aussi. Gros spécimen. Ah. Carafe victorienne. Ah bah, ton obèse, je l'ai eu. Ton le banc. Ton... Créature identifiée, 89%. Et on est pas mal, hein. On est pas mal. Mais là... On a... Ouais, remonte. Attends, parce que du coup... Faut que je me repère. On a dit qu'on... J'ai plus de repères. Moi, j'ai dit que je voulais aller en... E6. Je suis pas du tout dans la bonne direction. T'avais dit j'ai quelque chose. Ah bon? Ouais. Moi, je suis dans un lagon. Je suis où? Grondin rouge épineux. Wow, objectif atteint, as de l'observation. Eh ouais, moi ma gueule. Requin taupe bleu. Wow, t'es beau, toi. Oh. Avec tes dents, là, oh là, tu fais un peu peur. Cornette rouge. Salut, Gérias. Comment tu vas? Bonsoir, les plongeurs. Bonsoir. Antiestrapu. Chirurgien, Rouget, Axel Rodichkis. Oh là là. Poisson.
Ah, là, c'est bien. Là, là on a l'impression qu'il fait chaud dans l'eau. Et l'ammonite, je l'avais déjà vue. Pourquoi une botisse que j'avais pas vue? Peut-être parce que t'as vu une plus grande, genre une adulte ou je sais pas quoi. Non, mais il faut bien les sélectionner, vraiment. Est-ce que, tu sais, des fois, quand tu scannes plein de bestioles, et ben après, faut sélectionner là, avec... Oui, mais là, j'avais que celle-là de sélectionner. Ah, ok. Tortue verte. Oh là là, t'es belle, toi. Oh, une murène ruban. Et en fait, trop pipou. T'as vu que t'es pas obligé d'attendre que, quand tu scannes, que ton viseur fasse le tour complet. Ah bon? Ah, tu peux lâcher? Ouais, tu peux lâcher avant que ça soit... Et ça te le valide quand même. Ah oui, d'accord, merci. Ah, ça, j'adore les tortues comme ça. Ah, il y a un zèbre par terre. Qu'est-ce que c'est? Oh, une théière royale. Logique. Évidemment. J'ai trouvé un portefeuille, moi. C'est vrai? Oui. Il y avait un peu de la tunasse dedans? Je sais pas, j'ai juste trouvé l'objet. Requin scie à moustache! Oh! Mais Oh, trop bien. Je savais pas que ça existait, le requin scie à moustache. Je sais pas. Je sais pas si c'est... C'est-à-dire qu'il se tond la moustache en même temps qu'il scie? Il se scie la moustache? Toi, t'es où? Je suis à 85 mètres et je suis en E5, D5. À la limite entre D et E5. Ah, oh, je suis trop loin. T'es en combien, toi? Je suis en G. J'arrive. Mais je suis plus en surface. Ouais, en G quoi? J'ai perdu le fil. Ah, mais t'es en G6? T'es là-bas, toi? C'est toi? En G6. Attends, je regarde. X. Quoi? Oui, c'est ça. Je cherche la touche en permanence pour la carte parce que X pour une carte, c'est pas logique. Ouais. Requin renard! Oh, ils sont trop beaux, les requins renards. Ouais. Ah, j'adore. C'est une crevette, ça. Crevette japonaise tigrée. Là, c'est une langouste. Ok. Toujours la murène ruban. Oh, un dauphin! Où ça? Pardon. C'était un peu vénère, mais... Écoute, je sais pas si je vais te le dire, c'est un peu dangereux pour... Karangouras, ok. T'es en combien? T'es en H6? Oui. Oui, ok. Mais y'en a qu'un. Je pense que de toute façon, on verra des bandes de dauphins, des groupes de dauphins. Ouais. Et recoucou, rebrimbois, parti manger. Piège à poule. Hein? Piège à poule, c'est le nom d'une bestiole. Mais arrêtez avec vos... Un cadeau. Et les altérations. Oh, un orque! Une orque! Oh, où ça? Là où je suis. On s'en fout, Océania. T'es où? Je suis toujours en H, machin. Il n'est pas impossible que vous croisiez une autre H4 dans ses eaux. Attends, je te dis ça. Je peux pas encore. La situation de... Ah si, voilà. Attends, j'ai changé de case. Je te dis ça. Je suis en I. I5. Quoi, I5? T'es en I5, c'est bon, ok. Je crois que c'est toi. Ouais, je te vois. Oh là là! C'est un petit, je pense. Ouais, mais OMG quand même. Oh là là, mais t'es beau, toi. Orc. Aussi et polar. Mais t'es tellement beau, toi. Oh là là. C'est un carnivore social. C'est bon, je vais rester comme ça. Je reste sur cette caméra-là toute la soirée. Toute la soirée. Vous pouvez aller chez Lox. Hein, ça ne sert plus à rien de rester là. Je vais faire un raid tout de suite. Ça sert à rien que je continue. Oh là là. Ah non, mais moi, les orques. Mais oui, c'est un petit. C'est un petit, ouais. Une petite. Ouais. Coucou, c'est qui? C'est Tezaka. Salut, Tezaka. Qu'est-ce que ça fait, Tezaka? Vous êtes trop dans ta tête, Lox. Quoi? Coucou, c'est qui? Coucou, c'est Tezaka. C'est Tezaka. Comment qu'il va, Tezaka? Oh, Tezaka qui? Tezaka K? Tezaka quoi? Ohé, ohé. Y'a un dauphin. J'arrive. Je suis en train de scanner. Ah, les chinchards. Comme dans Animal Un chinchard, ouais. C'est les moins chers que tu croises tout le temps. Et c'est un peu chiant. Ouais. Où ça, les dauphins? Ouais. Oh, les dauphins! Ah voilà! Oh, c'est ceux-là avec qui j'ai nagé! Oui, c'est les dauphins communs, oui. Oh là là! Je me suis dit, il va les reconnaître.
Ah bah évidemment. Bien joué. J'ai nagé pour de vrai avec ces oxydophones. Il a vraiment nagé avec ces dauphins. Mmh. Ouais. Oh là. Bon, moi j'ai pas flex tout à l'heure, mais j'ai vraiment nagé avec des requins balles. Ouais. Maintenant je le dis, tu vois. Oh bah, c'est là. Trop cool. C'est... Ça prouve à quel point on a trop peu de jeux avec des bestioles comme ça, parce que ça nous rend ouf. Ah bah oui, oui, oui. Non, franchement... Oh, une Lux. Oh là là. Là, je vais te prendre en photo. Ah ouais, tiens, on n'a pas fait de photo. Attends, on fait un selfie. Mais on peut pas faire un selfie pas loin de l'orque. Tiens, attends. On va vers l'orque. Hop. Voilà, on va tourner autour. Ça va être compliqué, ouais. Mais ça se fait. Après, hop. Hop. Regarde, je vous cours de touche. Ça, et Y, ouais. Et chill. J'arrive pas. Bon, j'ai fait une photo pourrie, mais au moins il y a l'orque. Mais attends, Y. Pourquoi ça marche pas? J'y arrive pas. Y, appuie sur, et après une fois que t'es dessus, faut valider avec A, je crois. Bah, j'ai pas fait. Ah oui, voilà. Oh, oh, si, c'est... Oh, j'y arrive pas, j'ai plus. Oh, elle vient me voir. Elle vient me voir. Elle me kiffe. Ah mince, pardon. J'ai fait un coup d'accélérateur. Hop. Ah. Non. Je me suis pris en train de flex avec l'orque derrière. Non, j'ai fait B, c'est pour ça. Voilà. Oh non. Ah, attends. Voilà, là, elle va revenir. Ok, t'as la photo. j'en ai une sympa, déjà, mais... Oh, elle arrive. Elle va venir. Ah, elle nous parle. Ah, mais on voit pas la même chose, mais on en a parlé tout à l'heure. Ah, voilà. Oh, la photo. Oh là là. Trop bien, tu m'en as fait 15. Je suis comme un ouf. Hein. Bonjour Sufoc, comment tu vas? Ça va le chat? moi je viens de mes meilleurs streams, mais pour vous je suis moins convaincu que ce soit... voilà, je m'excuse un peu, hein. Je suis pas trop avec vous, mais là... c'est avec les pieds droits dans la face, c'est pas faux. Elle vient de me faire... Oui t'as vu, elle fait... Mais oui. Je vous jure, j'ai l'impression d'être une gamine de 8 ans. C'est horrible, mais je vous jure que c'est vrai. C'est trop mignon, ça fait du bien. Mais oui. Oh là là, faites plus de jeux comme ça, s'il vous plaît. Ah oui, s'il vous plaît, oui. Alors, en vrai, vous vous retrouvez à cette distance-là d'une vraie orque, faut pas. Si elle s'approche de toi, franchement, fais gaffe. Il pourrait y avoir une CMI dans cette zone. Mais les CMI, j'arrive toujours pas à savoir ce que c'est. Mais toutes les créatures présentant des relevés anormaux. C'est des trucs qui sont plus importants. Elles apparaîtront sous la forme. Ben ouais, mais je prendrai le temps quand je le ferai solo. Ouais, c'est ça. La campagne solo, on gardera un peu. Ouais. Mais là, c'est juste la découverte. Là, on chill, là, on kiffe. Mais ouais. Là, on est chill bill, là. Chill bill. Et puis, je pense qu'en solo, on aura accès à plein d'endroits et à toute l'histoire et tout. Bah oui. Ici, la petite Murène Ruban et Mimi. Ah oui. Ouais, elle est Mimi. Ah oui, dis donc. Elle est belle. Enfin, les couleurs et tout. Et tu sais, les grosses Murènes, en vrai, bah, c'est pas du tout agressif. Voilà. Ah oui. Ouais, on s'est retrouvés à en embêter une sans trop le vouloir, parce que le courant nous emmenait vers l'endroit où elle était. Et du coup, elle se cachait un petit peu et tout, donc on en a profité pour la filmer de très près, la pauvre. Elle n'a jamais réagi, elle était vraiment... Elle reculait. Et pourtant, le courant nous emportait sur le... un peu sur le rocher où elle était. Parce qu'on était un peu vers le haut, vers la surface. Donc en vrai, sachez que les murènes, c'est super sympa, c'est juste qu'effectivement, si ça vous mord, bah il y a des infections, un truc comme ça. Oui. Mais pour avoir tenté, je pense que pour qu'elle morde un truc immense, faut vraiment qu'elle ait pas le choix. Parce que c'est qu'il y avait un risque de perdre de toute façon, donc... Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, mais c'est les perroquets à bosse. Mais ça, c'est très gros, en vrai, un perroquet à bosse. Il est tout petit, celui-ci. Oh, les calamars. Ah ouais, calamars. Il est tout petit. Le perroquet à bosse, c'est super gros. Mais peut-être qu'il y en aura d'autres qui seront immenses. IRL, je suis pas sûr que tu restes devant lui, devant l'orque, non, pas trop, bad, et vite. Non.
poisson perruquet bossu. Mais ça, c'est pas très... à tête c'est... noire. C'est pas si petit normalement. Toutes les bestioles, je les trouve un peu plus petites, mais c'est peut-être un effet, je sais pas. Elles ont un côté un peu rond et un peu plus petit. Un peu boule. Peut-être, mais... ouais. Peut-être. Parce que si c'était plus gros, ça rentrait pas dans la Switch. C'est possible qu'il y ait des limites. Ou alors c'est pour qu'on trouve les vrais spécimens plus gros et plus classe ailleurs. Peut-être. Ouais, plus tard, ouais. Paramundi japonais. Ouais, j'aime bien son nom. Quel est cet accent que j'ai tenté? Je sais pas. Ah, moi-même, hispanique, je ne sais pas. Je crois. C'est Paramundi. Ouais. c'est ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Hispanique ou italien? Ah, c'est les limites de la zone. Oui, non, c'est ah, les oui, limites c'est de la map en fait. Oui, d'accord. J'ai cru que j'ai mon paquet d'oxygène. J'ai pas l'impression qu'on ait besoin de créatures. Ah d'accord, on a 5 sur 11 créatures légendaires en gros. On va peut-être retourner... En fait les autres ils doivent se dire mais ces deux joueurs ils font n'importe quoi là. Bah, de toute façon on a déjà découvert le monde donc ils vont surtout se dire waouh ouais. Comment ils sont trop forts. Ouais. Waouh. Ils vont nous apprendre à jouer. De toute façon en vrai on joue avec des bébés là. On est les seuls adultes ah bah là, sur oui. le jeu. Ah oui complètement. Hop, le niatrayé. Oh, t'es joli toi aussi. Makuru. Vieille de corail. De corail. Une vieille de corail. C'est le tigre ça? Oui. C'est plus coloré. Oh, aucun tigre. Tigre. Il est pas très coloré, pas très... Oula. Oh, t'as mis un coup de queue, ouais. Je t'ai vu dans ma POV. À moi? Ah, il était énervé, oui. Il avait l'air énervé. Vas-y, tu mets pas de coup de queue. Vas-y, je t'en mets un, moi, de queue. En même temps, oula, ouais, ça, si, ah oui, clairement, oui. Oula, ah, oui, tu dis donc. L'as vu? Ah là, non, clairement, il... Oui, il oui. est vénère. Il est vénère contre moi, pardon. Dommage déso, qu'on ait rien. Ce serait sympa qu'il faille faire gaffe, tu sais. Même si bon. Ouais. Il y a peut-être des modes de jeu dans les... C'est quoi le but du jeu? Alors oui, c'est vrai que c'est... Alors oui, non, on doit explorer. Techniquement... Là on explore et je pense que c'est surtout ça, trouver... je crois tout en haut là, on voit 7 sur 11, c'est des créatures rares à trouver je pense. Mais en fait on a lancé le jeu sans même faire un tuto. On a oui, lancé on a tout suite le tuto. Mode multi. Alors que je et pense y a une que voix qui nous explique ce qu'on doit faire mais on l'écoute pas. Aussi, parce qu'elle nous coupe vachement dans notre élan et ça saoule. Ouais. Parce que nous on veut juste... On veut juste kiffer. Nous. Mais il y a un mode solo qui je pense est bien plus clair et il y a toute une histoire dans ces jeux là où on va devoir explorer une zone pour un objectif particulier, souvent en tout cas c'était comme ça dans les précédents. En même temps tu découvres la zone et tu découvres les créatures et après ça te donne des nouveaux objectifs après et t'as toute une petite histoire. Exactement. Ouais. Et il y avait un côté voyage beaucoup dans les précédents où on allait dans différentes zones pour différentes espèces et on débloquait des zones petit à petit. Oui, quand on limitait, ah, on a terminé cette plongée. Ouais, il nous reste 3 minutes. Bon, dis donc. Mais, et pourquoi? C'est peut-être qu'on doit respirer Ouais, bon, pff, n'importe quoi. Mytho. Macro des Indes. Zéro concerné, perso. Je m'en fous, je resterai après les 3 minutes. Ce sera peut-être risqué quand même. Alors, il y a un truc, c'est qu'à chaque descente, ils disent que les zones dans lesquelles on est sont procédurales. C'est-à-dire que tu peux pas retomber deux fois de suite sur les mêmes endroits, avoir les mêmes... Ok, c'est bien ça. Ça peut être sympa si c'est bien géré. En tout cas, dans la bande-annonce que j'ai vue, ils insistaient un peu là-dessus, en disant que chaque descente serait différente parce que... c'est procédural. Alors peut-être qu'il faut certaines zones pour certaines espèces, tout ça. Donc sur oui, certaines descentes, tu peux pas avoir certaines espèces, tout ça. Voilà. Ou en tout cas, certains biomes, certains... Ouais. Je t'ai vu. C'est les limites de la map, mais ça s'appelle pas Endless Ocean. Malin ça, c'est vrai ça. Déjà c'est déjà un mensonge. Sergent Major à queue en ciseaux. Le nom déjà est rigolo. Mais il est joli, dis donc. Ah. Oh là là. Et là tu vois maintenant ça y est. Ce soir j'ai mangé du poisson, bah je m'en veux. Je te jure que je viens de penser à ça, je me suis dit mais putain comment tu fais pour bouffer des comme ça. Je te jure que c'est vrai. Moi je mange des patates souvent. Je vais aller plonger dans le sommeil. Mais je culpabilise pas. Bonne nuit Billy Dinozzo. Bonne nuit Billy Dinozzo. Et bref Billy Dinozzo, Authentica Qualità, Pop Talent, Sofa et voilà.
Christelle, ma femme, c'est son aliment préféré, je crois que c'est les pommes de terre. Elle aime les pommes de terre, mais c'est vraiment trop bon. toutes ses formes. Mais ça peut être la pomme de terre vapeur, tout. Ouais, je plus sois. Donc j'ai appris à comprendre. non mais j'adore les patates, hein, mais je peux pas dire que c'est mon aliment préféré, mais c'est quoi ça? Oh, j'ai découvert un truc. C'est ce que j'ai découvert aussi au début du jeu. Vers là où j'étais, mon point de départ, il était vers ça. Ah d'accord. Ah, revenez nager ici aux côtés d'une créature vivant dans ces parages. Bah là, je suis à côté d'une créature qui vit dans ces parages. On a plus que 16 secondes, est-ce qu'il faut faire un truc? Bon, on va voir, hein. On va tester. Revenez nager ici. Ah, eux ils quittent tous. Ah bah ouais. Ah, j'ai quitté. Ça sauvegarde, ça quitte. Bilan de la plongée. Vive la patate de fou. Oh tous les... Waouh, on a plein d'XP. Ouais, dis donc, rang 7, bim. Moi quand je vois un poisson, je pense sushi et je suis tout heureux. C'est une autre manière de voir les choses. Ouais, effectivement, ouais. Capacité de nager avec des créatures quand on sera au rang 20. Ah, c'est pour ça. Oh là là. Mais ouais, faut tellement aller au rang 20. Mais... Et du coup, on a exploré cette zone. Okay. Attends, non. Capacité de nager avec des créatures de 20 à 30 rangs supérieurs. Je l'ai pas vu, moi, ça. J'ai pas tout compris, je t'avoue, là, sur ce que je viens de voir. C'est rang 20, rang 30... En tout cas, à partir de certains rangs, on pourra nager avec des... J'ai envie de faire des pommes de terre sautées maintenant. C'est trop bon! Ah bah ouais. I'm a Scatman. Bonne nuit, Fred Siffer. Merci d'avoir encore été là ce soir. La pomme du cul. La pomme de cul. Attends, il y a histoire et un notif. C'est Fiat Minimi. Allez, faites mimi. Ah, on peut. Ah, du coup, on a chapitre 1-2, Arbre des mers. Mais attends. Ah, mince, c'est histoire. Non, je veux pas lancer. Je pensais que je pouvais lancer la zone. Ouais. J'ai lancé. Je voulais pas. T'as lancé l'histoire? Je crois, mais je vais. Enfin, quand le chargement sera terminé, je vais voir ce que c'est déjà. Ah oui, c'est une nouvelle zone. J'ai vu passer l'info aussi. Ils feront des events. Ah, cool. Un peu comme sur ce qu'ils avaient pu faire avec Splatoon, machin et tout. Okay. Et là, par exemple, il y a déjà un truc, festival de plongée, bête sacrée, le dragon. Ah, on devrait faire ça. Mais c'est du 10 mai au 14 mai. On n'est pas le 10. Pas encore. Non, on n'est pas encore le 10. Du 10 mai 7h au 14 mai 6h59. Ouais. Donc, au moins, ils l'annoncent déjà. Bon. Ok. Et c'est du coup, toi, ce sera des events multi, alors. Bah, ouais, je présume. Je sais pas. Trop bien. C'est incroyable. Si ça te dit, on s'en fera ensemble. Du fou. Déjà qu'on voit ce t'es que revenu ça, au... ça fait. C'est bon. Ouais. Attends, ouais. Est-ce qu'on peut choisir, du coup, si tu fais une plongée? Oh, attends, on peut personnaliser des trucs, commence... je crois. Quoi, où? Ah oui, personnaliser. Attends, regardons. Non, personnaliser, coloris. Quoi. Non, bah... coloris... Oula. Ah ouais, on a plaisir. Plein de sous. Ah oui, du coup on débloque des trucs avec des rangs. Ok. Eh, hey, oh, eh, hey, oh. Oh, qu'il est beau, qu'il est laid. Qu'il est beau, le level beau. Pourquoi tu dis c'est moi qui articule pas, hein. Super. Hein. Tu mets quoi comme couleur? Un truc bien dégueu, genre ça? Ouais, je pense que oui. Poisson clown. Ah, ou alors on peut faire des trucs, c'est pas. De mer. Oh, requin baleine. Comment ça? Requin baleine, c'est classe quand même. Ah, c'est classe. Bah là, j'ai mis un stickers de requin baleine, sur mon casque, j'ai mis ça. Ah. Mais je le vois pas sur mon casque. Je mets que des couleurs qui vont trop bien ensemble. Ah. Je mets sur mon torse. Ah, j'ai un requin baleine sur mon torse. Oh la classe. Ah ouais, d'accord, je vois. Mais moi, j'ai pas beaucoup de trucs. Je peux
peux pas. Ah, mais ça coûte des sous. Ah, mais j'ai que deux. Ah, merde. J'ai pas fait gaffe à que ça me coûtait des sous, le requin baleine. Du coup, j'ai plus que 257 balles. Ah, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc, pas bon, bah. En attendant, je crée. Je commence une plongée en groupe. Ouais, j'arrive. Et je te donnerai le code. Ouh. Je peux mettre plus grand. Ah oui, je peux mettre plus grand. R. Des vieilles rumeurs locales affirment que la mer voilée abriterait 99 mystères. Appuyez sur B pour faire une ondulation dauphin. Ça vous permet de nager plus vite pendant quelques instants. Ah, on peut acheter aussi des émotes. Ah, on peut acheter des émotes aussi. Oui. J'ai mon code, tu me dis quand tu veux. Je regarde les émotes. Bon, c'est Nintendo, donc ce sera... Ah, oh, je peux faire ça. Vas-y, je prends ça. Ok. Balayer un dos passif. Ok, c'est bon. Je suis prête. T'es prête? Alors... Bah, j'ai pris... X... Je voulais qu'on me reconnaisse de loin, Neptunia. Normalement, ça va marcher. On critique pas, mon je sais pas à quoi m'attendre. C'est bon. XRX. R. GTX. X. GTX. Attends, la mythe. C'est bon. Je rejoins. L'exploration décide de plonger, atteint 80%, les 20% restants sont automatiquement révélés. Ah ! Vous avez alors accès à l'identifiant du site de plongée que vous pouvez utiliser pour retourner explorer à votre guise lors de vos plongées solo. Donc t'as des seeds en fait. Des quoi ? T'as des sortes de seeds un petit peu comme dans... je sais pas, dans Binding of Isaac où genre c'est procédural mais tu peux refaire ton truc. T'as le numéro de seed. Apparemment il y a ça, il parlait de ça. Qu'on pouvait refaire. Ah, en partie. On pouvait refaire une la zone qu'on a bien aimée. Ouais, on peut la refaire en solo. Si qu'on a vu en multi, ben on peut la refaire en solo. D'accord, ok. Mais okay. Pour ça, apparemment, il y avait écrit qu'il fallait 80% de... découvrir 80% de la zone. Au minimum. Le reste soit révélé. Ok. Attends, je sais plus scanner, ça y est, j'ai déjà oublié. Parce que là, il y a plein de bébêtes là. Ouais. Ok, lutin. Macaire noir et requin lutin. Voilà. Requin. Et requin lutin, en vrai, ils n'ont pas du tout la gueule comme ça tout le temps. Quoi ? Y'a Gail. Comme ça ? Y'a Gail. C'est qui ? Bah, y'a quelqu'un qui s'appelle Gail. Ah, vraiment ? Mais avec deux L. Je pensais que c'était. Oui ? Je pensais que non, c'était... t'avais vu un poisson qui te faisait penser à Gail et je me suis dit, qu'est-ce que ça va être encore ? Non. Quelqu'un qui s'appelle Gail avec. Ah, il a une Switch, hein ? Bah, hey, on va savoir. Voilà ce qu'il fait en fait. Il m'a dit, ouais, je joue à Helldivers, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il joue à Endless Océan Luminous. C'est ça, il nous stalk. Requin. Et on va oh là le là, chercher. Dauphin. Pardon. Ça vient dauphin. Dauphin à flanc blanc du Pacifique, ouais. Oh là là, t'es tellement beau toi. C'est encore un lutin, mais. Requin lutin. Oh là là. Très très beau toi. Il ne t'entend pas, tu sais. Vous me croyez peut-être pas si vous voulez pas, mais je vous jure que je peux être capable de faire ça tout seul en jouant tout seul chez moi. Alors, bon, est-ce qu'il faudrait que je vous le dise ? Pas sûr. Mais bon. Salut, Gail des profondeurs, j'ai entendu. Des Ludamol. Je vais t'essayer de te trouver, Gail. Apparemment, t'es dans ma partie. Bienvenue. Mais en tout cas, des Ludamol. Oui, Lox comme moi, on a fait les deux premiers sur lui. Tout à fait. Ouais. Et c'est parce qu'on a fait les deux premiers qu'on les a aimés qu'on s'est rué sur celui-ci. C'est ça. Il, qui vient juste de sortir, qui est sorti aujourd'hui. Absolument. Oh la Baudroie, la tronche de la Baudroie. Oh ouais, avec le grand requin blanc. Ah ouais, tranquille. Oh, un grand blanc. Ouais. Grain brun. On va faire ça. Ah mais je suis trop loin, il faudrait pouvoir améliorer le scanner des fois. Il est rare le grand blanc. Ah oui, tu l'as vu en doré. Bah j'en vois un doré aussi. Tu sais ça. Ah la tronche des Saint-Pierre. Oh le poisson, il a l'air tout choc-barre. Il est en mode incognito avec ses deux L. Ouais, c'est ça. Oh, requin tapis barbu. Il y en a d'autres, je trouve, infernales, qui ressemblent plus à un pléco. On a vu tout à l'heure, c'était pas une roussette du coup, mais j'ai confondu.
Et ça faisait très pléco dans le style, oui, avec la forme de la bestiole qui a l'air de constamment être collée à quelque chose et tout. Mais y en a d'autres qui ressemblent plus. Le requin zèbre... Un petit peu. Alors votre tour, j'ai adoré le premier, je reçois celui-ci samedi, j'ai peur d'être déçu, il y a toujours des visites de sites submergés, ruines, grottes. Eh ben on sait alors, pas. Alors, on sait pas, c'est ça le truc. Parce qu'en fait, on a lancé le jeu en même temps que le stream, sans faire le tuto, on n'a rien fait de la campagne solo. Voilà. On s'est direct lancé dans le multi. Donc on est vraiment que... On suit pas de lore, on suit pas de là, machin, on teste, là, on en fait, là, en mode... Vous voyez le mode multi surtout, mais comme ça permet de voir aussi un petit peu le... Bah si ça peut être intéressant, sachant que quand vous jouez en mode multi, vous jouez avec d'autres gens aussi aléatoires. Ouais. Oh, aucun zèbre albinos. C'est vrai qu'il y a un petit côté quand même pléco. Et c'est vrai que là on est vraiment... Pardon. Non, bah c'est ce que j'allais dire, on est vraiment dans l'explo ensemble et puis c'est tout quoi. Mais ça, du coup, c'est bien de savoir que maintenant t'as des maps où. Enfin, le fait d'avoir ça, de pouvoir juste explorer, etc., et d'avoir des événements, déjà, c'est une bonne plus-value par rapport aux précédents. Après, au niveau solo, bah, c'est vrai que. On a aucune je idée. Pense quoi. Ouais, je pense que ça sera un peu dans la même veine avec une je pense pseudo aussi. Fil rouge et tout pour te faire faire d'explos. Est-ce qu'il y a des PNJ par exemple? Parce qu'on a été. Il y a que l'IA un peu mollassonne qui nous a parlé. Ouais. Et pour dire, on n'a même pas écouté ce qu'elle nous disait vraiment. C'est vrai, parce qu'en plus elle nous parle en acronyme, nous on sait pas. Ouais. Elle est mignonne, mais faut qu'elle soit claire. C'est un super moyen d'apprendre. Ouais, c'est très ludique. Par contre là, le fait de scanner tous les bestioles et tout, c'est très cool, je trouve. Thanatos. Un Thanatos? Ouais. Thanatos. Attends, redis-moi. Un gros requin qui s'est bagarré lui, parce qu'il a plein where, de cicatrices partout. Where are you? Je suis en G0. G0, je suis en C3. Vas-y, je vais venir, ça a l'air plus cool. Moi j'ai vu beaucoup de trucs que j'ai déjà vu. Je suis à 45 mètres, hein, donc je suis pas profond du tout. Mais oh, le Thanatos, dis donc. Lui, par il contre, a vécu. C'est que... Lui, c'est un... lui, on peut appeler ça un vieux loup de mer. Lui, ça se voit, quoi. Ça tronche. Ah, mais attends, j'ai vu un requin tout à l'heure qui avait vraiment aussi une tronche. Mais non, il était plus bas. Ça doit pas être lui. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Truc légendaire encore. Flippant lui. Ah, un peu, hein. Oh, bah, c'est-à-dire que tu le croises en vrai, tu. Ouais. Pas de mariole. Bastenaï. T'es pas aussi profond que Lox. Un ton mignon. Oui, non, je fais 45 mètres. Ouais. Mais on n'est pas dans la même case non plus. Parce qu'en fait, on rejoint un lobby plus qu'on rejoint quelqu'un en fait. Du coup, bah, on apparaît pas au même endroit. Oui. Hop là. Oui, c'est ça. En fait, le jeu fait pas le distinguo si on se connaît ou si on se connaît pas, quoi. Ouais. Alors peut-être qu'il faudrait qu'on s'ajoute en ami sur Switch. Si on se rejoignait, peut-être, ouais, viens. Mais c'est rarement comme ça sur Switch, mais peut-être. Ouais, je sais pas. Oh, chirurgien à voile, il est beau. Un kraken. Mais c'est sûr qu'il y aura un kraken, hein. On a déjà vu des bestioles. Oh, la baleine. Des bestioles qui n'existent qu'il y aura... plus. Donc, oui, il y aura des trucs légendaires. Et on a tout, vu un poisson qui n'existe pas du tout, immense là. J'ai déjà oublié le lamba. Ouais, je sais plus. Lambada. Mais donc, oui, il y en aura. Enfin, je pense qu'il y aura des. Oui. Bah, ils ont l'air d'essayer de nous en foutre plein les yeux par tous les moyens. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ouais. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait vraiment des trucs. Léviathan, il y a clairement ouais, des bestioles. Oui, on a vu Léviathan. On a vu. On a vu une sorte de dinosaure et on a vu un mégalodon. Il pourrait y avoir une CMI dans cette zone. Bon, donc CMI, ça doit être des créatures. Mais attends, est-ce que c'est pas faut suivre les petits trucs jaunes et tu atteins quelque chose? Bah, c'est les cercles oranges qu'il faut suivre, ouais. Mais on dirait tellement les cercles oranges que c'est moi qui les fais, tu sais, on dirait que c'est parce que mon perso se déplace, je comprends pas tout. Oh, en fait, c'est quand on... Quand on se dirige vers la direction des cercles oranges sur la map, notre navire. Oh, ils sont trop beaux, c'est pas ça. Le biche du Japon, il est bien aussi. Oh, il y a une épave. C'est toi l'épave. Non, trop. Pardon, en le disant, je me suis aperçu que c'est pas... Putain. Royal. Aurel, il m'a traité d'épave. Ça dégoûte. Oh, la réelle est trop belle! Et tu nous as manqué aussi, Dark Souls. Ça fait plaisir de te revoir un peu. Je vous lis pas beaucoup ce soir, du coup. Donc
c'est pas... Je m'excuse un peu. Mais que un bah peu déjà, parce que c'est ce que je veux. Et bah alors qu'est-ce qu'il dit celui-là? C'est que... voilà. C'est le vieux crouton qui traite ma meuf d'épave. Oh, c'est joli ça. Un cobia. Un cobia. Cobia, comme cobra, oh mais... Oh là là. Quoi Pardon, quoi pardon, moi pardon, je suis en train de m'étrangler à moitié. Attends, j'arrive. Un poisson porc épic, pardon, c'est... Non, oh, c'était pas, rigolo, c'était pas si ouf, mais ouais. Pas... Franchement, c'est pas si ouf. Mais quand tu tombes dessus, salut, c'est quand même... Yakurumi. Ah, trop bien. Salut, Yakurumi. Salut, la VOD. Non, Nakurumi. VOD, elle est lancée depuis... Combien de temps? 1h20, déjà? Et alors, on dit jamais assez bonjour à une VOD. C'est vrai, ça. Et comment vas-tu, VOD? Tu peux nous répondre en commentaire, n'hésite surtout pas. Si tu vas bien, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. C'est ça, ah oui, voilà. Et si tu aimes bien les dauphins, n'hésite pas à mettre dauphin. Ouais, t'es plutôt team dauphin ou team requin? Ouais, dis-le dans les commentaires. Tape 1 ou 2, je suis en G0. Ça aide de fou pour le référencement. C'est vrai. T'es en G0? Attends, il y a un poisson stylé là. Ah mais attends, c'est les un loin. Apollon. Ah les molas, oui d'accord, les molas c'est les poissons anges en fait, je crois. Poisson lune, putain, je confonds toujours. C'est poisson lune. Et ben, j'ai un poisson rare en G0. Pardon, tu m'as posé. Tu l'as sûrement vu. T'as un poisson rare en G0, c'est ouais. Comment ça s'appelle? C'est un mola, c'est un poisson un Apollon, il l'appelle Apollon. Ah c'est j'ai Ouais, déjà mais je l'ai vu. Vu le Apollon. Ouais. Ouais. Moi, je me fais toute la rangée 0, là, je me dirige vers le A. Je passe de D à C en dirigeant vers le A. Je me tape un peu le... Je me le fais un peu stratégique. Ouais, mais t'avais vu des trucs stylés en G0. Moi, je veux pas des trucs stylés en G0. Bah, je veux le mola. Mais le requin... Ah, je crois que j'ai un requin marteau. Oh, cool, j'aime trop le requin marteau. Oh, c'est... Oh oui, d'accord. Ok, j'ai vu. Requin marteau, allez. Le, tu l'as vu, le vieux qui est plein de cicatrices? Oui, le Thanatos. Ouais, Thanatos. Classe, hein, quand même, Thanatos. Classe, ouais. Ah, le requin marteau, il est classe aussi. Salut, ma rafale. Salut, Nihilink. Je sais pas si j'aime les dauphins, j'en ai jamais mangé. Je vous demande pas de bande de psychopathes, sociopathes. Je vous demande pas ça. Un poisson ça va, porciné. Sinon porciné. Où es-tu? Bon, faut que je scanne, faut que je scanne. Un bout de stream de Goonie qui streamait du... Elle est sur Kingdom Hearts en ce oui. moment. Et elle est tombée, elle a découvert Porciné hier. Et elle était comme nous devant les requins. Elle était, oh Porciné. Oh Calmar. Un menaçante. Baranajouane. Elle est pas très menaçante. Viril Kuro. Ok. C'est bon, je découvre. Bah t'étais pas loin du tout d'une épave quand t'étais là. Oh t'es tout fin. Oh non, c'est pas un dauphin ça. Pourquoi j'ai un perroquet qui est là? Oh, une orque blanche. Ah mais c'est lui le perroquet. Un espadon. Gros spécimen. Un gounir. Pas un espadon, techniquement. En fait, tu peux... Avec une émote, tu peux marquer les poissons. Avec sur la ah, carte, c'est ça qu'ils par font. Exemple. C'est pour ça qu'on voit des émotes, ouais. Ok. Ouais. Ou des objets, du coup. Et par exemple, là, le perroquet qui bouge sur la map, c'est un genre d'espadon. Là. J'ai oublié son nom. Du coup, la prochaine fois qu'on voit un truc intéressant, qu'on veut que l'autre le voie, faudrait qu'on le marque. Ouais, mais il y a déjà plein de trucs, non? Mais oui. Ouais. Mais ça a l'air de marquer tout seul en fait, non? J'ai l'impression que sur tout mon chemin, il y a des trucs qui ont été marqués. Ah bon? Ah non, 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 j'ai rien dit. Ça devait être le chemin de quelqu'un, ça devait être quelqu'un qui marquait tout. Peut-être Gail. Peut-être Gail, oui. C'est vrai que je l'ai pas croisé. Salut, en train Momo de me réconcilier Twitch, avec comment ma passion. Mais oui, toi, c'est vrai que toi, t'as toujours ta thalassophobie. Petite Neptunia. Bah oui. Mais non, franchement, mais attends, t'es ultra fasciné par la mer. Salut Trapil. Oui, j'ai... Salut Trapil.
important. C'est important de comprendre. Salut Gérièse, bonne nuit à toi. Ne vous noyez pas, non, t'inquiète. C'est ce qu'on fait. Impossible. On fait qu'un avec l'océan. Exactement. C'est notre élément, tu sais. Après... Team Brochi. Ouais. Team Pied Palmé. Excessivement mal. Je sais nager, hein, mais très très mal. Mais par contre, qu'est-ce que j'aime être dans l'eau. Ah, salut Braden. C'est trop cool. Il y a un mec Braden qui m'a pop dans le visage. Au visage. Vous faites ce que vous voulez. Oh, du petit calmar relance. Calmar lance, calmar lance. Ça trapule. Ouais, c'est vrai que le requin, là, il a vraiment une tronche de... Saumon de requin mazou. Qui a croisé un... Qui a croisé un bateau, quand même. Ouais, qui s'est pris l'hélice d'un bateau à moteur. Team Patrick Duffy, ok. Pourquoi pas. L'âme de l'Atlantique, bien sûr. Pourquoi pas, pourquoi pas. Oh, t'es beau, toi. Pastenag, que Herbert. Un Pastenag. Un bel Pastenag. Oh, peu cher. Peu cher, le Pastenag. Bon, allez, je m'en vais d'ici, sur le bord de ma peau. Oh, lolo. Oh, ça, c'est, j'ai pas L'Antias vu ça. Mauve. Oh, il est beau. Oh, il est magnifique. Oh, il est beau. Elle petit spécimen. Nouvelle taille minimale. Oh, le petit gueule. Tu vois, j'ai une petite tronche. Ça a une gueule un petit peu de piranha. Tu vois, Neptunia, moi je t'imagine un peu comme ça. Comment comme ça, j'y vois pas moi. Alors, l'Antias Mauve. Ah oui. Oh, c'est trop beau. J'avoue, c'est peut-être hyper classe. Peut-être parce que ton pseudo s'affiche de cette couleur sur mon chat, c'est peut-être aussi un peu. Mais pourquoi? Je sais pas. Parce que c'est tout. Tu acceptes. Parce que je trouve ça mignon et que voilà, j'avais envie de te faire plaisir. Voilà. Et t'as le droit de dire, mais je trouve ça dorade. Dégueulasse. T'as complètement le droit. Ce serait un peu méchant quand même. Il y a des manières de dire les choses quand même. Ah oui, t'as le droit de mettre les formes. Allez, balise. Oh, je pourrais peut-être te montrer. À un moment, on va peut-être croiser le poisson qui m'a poursuivi. Ah oui. Dans la vraie vie. Ah oui. C'est un baliste à tête jaune. Voilà, si tu vois un baliste à tête jaune. Un peu comme un balisto. pas trop. Pardon. Plus agressif qu'un baliste. J'avais pas à quoi répondre. Il y avait pas grand chose à répondre. Poisson pincette jaune, ah, comme dans Nemo. Poisson cyan. Poisson cyan. Poisson cyan. Poisson si. Aussi. Poisson antilox. Mais non, il était pas antilox, il était anti. Venez pas me faire chier au niveau de là où je ponds. Ah, c'est bien, aucun dormeur. Un petit. Des bonites de l'océan Indien. Gros spécimen, nouvelle taille maximale. Oh ouais. Eh ouais. Point d'entien. Ok. En fait, je fais que scanner les mêmes choses depuis tout à l'heure. Bah ouais. J'ai l'impression que ça a sauvegardé ce qu'on a déjà scanné aujourd'hui. Oui. J'ai l'impression qu'il y a des trucs. En fait, là, visuellement, ils sont marqués comme pas scannés, mais quand tu les scannes, on sait déjà ce que c'est, quoi. Ça m'a fait ça avec le dauphin tout à l'heure. Oh, mission terminée en 9:58. On a fait toutes les espèces. Une aide, finis le jeu sans nous. Les créatures cibles ont été scannées. Cette mission est terminée. Oh, requin. Requin marteau. Non, j'ai pas fini. Il y a un requin marteau. Requin marteau à licorne. Requin marteau à licorne. Ah, moi, requin marteau à licorne. Oh non, il y avait une baleine. Oh non. Putain, il y a une baleine en face de moi. J'allais la scanner. Non. Inhabituelle a été détectée dans la zone. Voici des images prises par notre drone le plus proche. Drone. Oh, il y a des drones sous-marins. Oh, ça serait cool si on pouvait en diriger un. Ouais, carrément. Non, pas en deux mots, à licorne. J'ai déjà fait trempette aujourd'hui. On dirait à part dans une douche, pas trop. Essayons d'examiner ça. Oh, ah, une sorte d'ague. Mais non, mais au-dessus, il y a un poisson bien plus stylé. Ouais. Je vois un poisson avec
Avec un ruban. C'est des on dirait un peu des artichauts marins, ça, quand même. C'est vrai. Je n'ai rien vu. J'aime pas trop les artichauts. Dans mes bases de données. C'est un des rares trucs, un des rares aliments que je déteste. Mm. Je sais que j'en ai déjà, je me suis déjà forcé, mais j'ai forcé quoi. Ah, je. Il me semble que quelque chose. L'odeur déjà me donne un peu la gerbe. C'est vrai. Oh, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et ça, de plus près. Quoi cette limace ? Ah oui, dis donc. Ah oh, oui, ça a non, pas l'air non, d'être vraiment un truc réel, ça. Non, bah comme le poisson de tout à l'heure. Ouais. Non mais oh, ne vous mettez pas trop proche. Mais c'est un Pokémon. Il est tellement mignon. En face de Fion. Approchez-vous. Mais oui, c'est, il a une tête de bourse. Il a un cul en tête de bouche. Oh, non, c'est des nichons en fait. C'est un cul. Non, c'est. Mais... En fait, c'est un il a une tête en cunichon. En cunichon. Oh, c'est ça le nom de ce Pokémon, cunichon. C'est un cunichon. Ah, mais du coup, c'est ça en fait. Faut découvrir la zone et comme ça, on voit l'espèce rare de la zone et après, faut aller la découvrir. Pokémon Oshiri, okay. Exactement. Bon, juste trouver une banane bleue, je crois. Hein. Tranquille, hein. Elle fait 2 milliards de mètres. Oh, poisson ange duc. Mmh. Alors ça est très très beau aussi. Bah tu vois, Hanté, je te vois un peu comme ça moi. Elle est pas là, je crois. Ah, elle est pas là, Hanté. Je crois qu'elle est pas là. Chez toi. Ah. Ou alors j'ai raté son bonjour. Et bah je lui dirai. En tout cas, je la vois quand même comme ça, un peu comme un poisson ange. Transmission du QG. Donner salut, Pidou Crapaud. Bien reçu. C'est un truc qui existe, le petit Pokémon. Non. Effectuer des analyses apparemment. Bah c'est un truc tout petit alors peut-être. Attends, j'écoutais pas, du coup j'ai passé tout le dialogue parce qu'elle m'embêtait et du coup je sais pas comment aller voir le Pokémon. Comment on va le voir? Alors le Pokémon qu'on doit aller voir, le QG a décidé de l'appeler le Amamotsumi. Amamotsumi. Ouais. Ok. Et Pilou demande il a quoi comme attaque Punishon. C'est pas, il a l'air pacifique. Oh, un poisson papillon citron. Calamar récifal à grande nageoire. Oh, ça, c'est intéressant. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Qui c'est ça? Qui est-ce que c'est ça? C'est qui ça? C'est les grands requins blancs? Oui, c'est les grands requins blancs. Il veut faire des caninous? Il veut faire des caninous. Eh, grand requin blanc, il fait 1m12. Ah ouais. Quoi. Grand requin blanc, je suis plus grande que lui. Ouais, il est un poil décevant quand même. Franchement. Demoiselle à queue dorée. Oh, ouh. Bah royal, je le vois un peu comme ça. Alors. Qui ressemble à une limace de mer. Non, mais en fait. Un mystère a été éclairci. Ah, mais on l'a pas vu, nous, le poisson. Faut qu'on le voit. Comment qu'on le voit? On l'a trouvé. Requin par... pointe noire. Oh, il est beau. Ah, requin pointe noire, ça, c'est ceux que j'ai vu le plus. Ah, ouais, bah. Dans la vraie vie. Non, royal, il pourrait ressembler à ça. Un peu classe, quoi. Mmh. Ah non, c'est Infernal Angelus. Ah, bah oui. Infernal Angelus, je te vois complètement comme ça. Ouais, c'est tout petit, c'est ça, c'est une petite limace de mer. Ok, attends, redis-moi, mouton des mers. J'ai pris une photo. Attendez, je regarde. Mouton des mers. On va regarder ça. Poisson, papy. Mouton des mers. Oh, c'est trop mieux en vrai. Ça ressemble moins à un cul. Si tu tapes mouton des mers sur l'internet, on va avoir la vraie bébête. La vraie bébête? Alors, oui. Excusez-moi, je regarde. Poisson, comment tu dis? Mouton des mers. Et c'est une limace. C'est trop rigolo, mais c'est Rikiki par contre en vrai. Oh là, dis donc, oui. Oh, oh. Mais c'est adorable. C'est drôle ça. Ah, j'aime trop. C'est à la fois beau et ridicule. Mais beau. Parce qu'il a les yeux très collés, ça. On voit les petits trolls de ces petits nichons cul. Oh, c'est trop rigolo. Ok, merci beaucoup. Oui. Merci. Mais il pourrait dire que c'est tiré de cette espèce. Bon, peut-être quand on le scannera. Peut-être qu'ils parleront de ce poisson-là. Ouais. Enfin, de ce poisson. Mouton des mers qui s'appelle Ostasiella Urushimae.
petite limace de mer ne dépassant pas les 10 mm de longueur. Donc c'est vraiment les... tout petit. Les 1 cm en fait. 10 mm. Oui. Ils se la pètent là avec leurs millimètres. Ouais, c'est ça. Oh, qui c'est ça? C'est pas scanné ça. Oh, Carangue Royale jaune. Ah bah, Carangue Royale jaune. C'est royal. Angelo. Ah, y a plusieurs bestioles royales en vrai. Ouais. Tazar. Oh, une raie à 6 branchies. Pas 4, pas 5, pas 7. Mais... on reconnaît la qualité d'une raie à son nombre de branchies. Ah bah, bien sûr. Comme on dit toujours en océanographie. Qu'est-ce que c'est et ça en poissonnerie, le prix au kilo, c'est par rapport au nombre de branchies. Oh, t'es tellement beau, toi. T'es un où, dauphin t'es où, de commerçon. Commerçon, je sais pas comment on dit, mais... Je sais pas, je regarde le... Eh ben, c'est. Je suis en A7. Ok. Mais en fait, il est pas exceptionnel. Mais en fait, il est juste noir et blanc. Un peu comme un orque, finalement. Sauf que c'est un dauphin. J'ai vu, moi, une orque blanche. Sébastien. J'ai déjà vu aussi. Bah, pas en vrai, évidemment, mais... Et c'était mignon. Ouais, oui. Moi, ce que j'ai vu en vidéo... Non, A7. Attends. Ouais, A7. Je suis pas au bon endroit. Comme l'autoroute. Oula. Let's go. L'autoroute du plaisir, finalement. L'autoroute du plaisir visuel et dauphin commercial, ouais. Même les dauphins sont devenus commerciaux. Super. Oh là là. Capitalisme. Capitaliste a atteint l'océan. Poisson couteau. Ah oui, ça c'est tout long. Ouais. Oh non! Vous avez fait plein de lumière. Tirage au sort de balise. Ah mais je comprends rien. En haut, il y a des petits symboles en haut de l'écran. Oui, ouais. Mais... je comprends rien. Je sais pas. Je pense qu'on a lancé vite aussi. Oui, on a lancé trop vite. Et on n'écoute pas quand on nous parle. Non, c'est vrai. Oh, il est trop vite. Mais surtout toi, t'écoutes pas. C'est pas vrai, tu parles toujours en même temps. C'est vrai. Oh, il est trop mignon. Oh là là, il y a Flipper. Ah, il y a un grand dauphin, quoi. Dauphin de Commerson. Mais c'est trop beau. Je regarde en vrai. Ah oui, tu regardes le Commerson? Oui. Oh là là. Oh, le naso à esperon orange, à éperon orange, il est joli aussi. J'avais vu une bébête. J'aime beaucoup ces couleurs. Oh là là. Mais c'est pas bon pour moi qui dors très mal en ce moment. Alors ça, je peux tellement comater devant ce jeu. Ce sera apaisant. Ah bah oui. Non mais bien sûr, mais... Oh, il est trop rigolo, tu regardes bleu ? Un peu bleu, ouais, c'est ça. Envie de jouer à ce jeu ! Oh ! Eh ben écoutez... Après, c'est tout sympa à explorer pour le moment. Mais il faut aimer... Ah bah oui, voilà. C'est sûr. Coucou, c'est qui ? C'est Ornéon. Coucou, c'est qui ? Coucou, Ornéon. Coucou, Ornéon. Poisson coché, malais. Oh, il y a un autre truc que j'avais pas vu. Comment allez-vous? Eh ben écoute, on explore les fonds marins, on vit notre meilleure soirée. À 10 mètres de profondeur, on n'est pas vraiment dans les fonds. C'est là, vrai, mais là au moins l'eau elle est chaude. Ouais, c'est vrai. Requin peau bleue, ouais, il est chouette. Ouais, très joli. Poisson papillon. Oh, c'est une demoiselle ça? Ok. Je vais aller chercher des photos du coup, et c'est vrai que c'est carrément mignon, le ton des mers. Et ouais, ouais. T'as vu ça? Ah, le... Hop là. Oh là, mais lui, il a le dauphin de Commerson. Ça, là. C'est bon, ça, c'est pas... Un petit perroquet. Bother. Mais il est tout petit. Mais il est vraiment tout petit. Oh, le bébé. Mais oui. Le requin pointe noir est tout petit. Ça peut être plus grand qu'un homme, ça. Ça peut faire dans le 3 mètres, ouais. Je crois, maximum. Lui, il fait 1m75. Enfin, 75... 5 mètres.
Non, même pas. 100 cm,75. Ah oui, il fait 1 mètre là ? Mais pas du tout. Ouais, il fait 1 mètre quoi. Regarde notre perso à côté, notre perso il fait il fait la taille de nos palmes. Celui que j'ai là, la taille de nos palmes. Eh, ça va pas les proportions hein. Pourquoi ils ont mis des trucs tout petits là ? Peut-être vraiment les limites de la Switch hein. Peut-être. Tu sais pas. Bon, faudrait qu'on trouve les algues artichauts. Comme ça, on peut trouver le machin. Ouais, mais je pense que c'était pas très profond parce que c'était super lumineux. Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas. Ouais, peut-être. Bref, histoire. Là, faut aller. Parce qu'on sait pas où faut aller. On n'a pas encore fait. Oui, c'est ça. On est d'accord, la dernière fois, on a trouvé juste parce qu'on explorait, quoi. Oui. Oh, petit dauphin. Même le dauphin est petit. Je vais quand même tenter un peu plus profond. Oh, des requins marteaux. Mmh. Requin marteau à l'écran, ouais. Oula, je suis dans une espèce de crevasse. Il y a beaucoup de requins marteaux. Oh, c'est un peu genre je suis dans leur repère. Quoi. Oui, c'est qui ? C'est Osrek. Salut Osrek. Salut Osrek. Trop cher pour moi. Oui, c'est vrai que le jeu vient de sortir et c'est jeu Nintendo, donc c'est ça reste des jeux assez chers. Oui, il est à 50 balles, ouais. Après, on... Oula. Transmission du QG. CMI s'est volatilisé. La CMI s'est volatilisée. Oh non, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé. Environnementale. Après, ça va se refaire ailleurs, je pense. Oui, oui, il doit aller dans différents endroits. Ouais. De faibles signaux de meurtre. Ouais, tu vois, des faibles signaux. Si vous avez de la chance, il n'est pas impossible que vous croisiez une autre CMI dans ces eaux. D'accord. Si elle devait évoluer, ouais, voilà. Oh, près des requins, il y a une grotte. Infernale ou plus profond. T'es à combien de profondeur ? Ah non, c'est une toute petite grotte. Je suis à 80. Ah ouais, moi je suis à 120 là, Mais là, en fait, c'est une toute petite, en fait. Tu as juste 3 poissons dedans. Infernale... Une sèche. Oui, c'est normal qu'il y ait d'autres joueurs, parce qu'en fait, c'est ce qu'on comprend. C'est-à-dire qu'en fait, on joue pas dans une zone avec juste nos amis. On joue dans une zone, on peut inviter nos amis à nous rejoindre dans cette zone, mais n'importe qui peut avoir accès à cette zone. Ouais, voilà. On rejoint un lobby, et puis on... Ouais, plus qu'une partie avec des gens. Mais bon, ça se trouve, il y a moyen d'être entre nous, mais après, c'est pas comme si ça... Quoique, ça peut faire que ça va plus vite, mais En fait, ouais, c'est ça, ils explorent peut-être plus de trucs, de machin, ils peuvent accomplir les objectifs avant nous, alors que si on a envie de prendre d'autres ouais, temps... Ouais, et ça dégoûte. Ouais. Arrêtez de dégoûter tous. Respecter les rythmes personnels des gens. Salut, Jerry Flipper, comment tu vas ? Cette manière, respecter les rythmes personnels. Mais oui, respectez le biorhythme personnel de l'individu, s'il vous plaît. C'est trop demandé, ça. J'aime beaucoup. C'est un raid PVE contre les poissons sans agression. C'est un raid PVE pacifique, quoi. C'est ça, ouais. Ah, c'est là la petite grotte, je crois que tu disais. Oui, c'est vraiment en fait un tout petit truc, mais j'ai cru que ça allait être dingus. En fait, c'était pas dingus, c'était moyen. Oh, dis donc. Poisson écureuil samouraï. Il est mignon. On dirait un peu mimoso. Je vais faire comme toi avec tes canards, je vais donner des noms de viewers à chacun des poissons. Bah, c'est très bien avec les poissons. Moi, j'aime beaucoup, moi. Ouais. Oula! T'as un zizi avec du pollen qu'il y a derrière lui ou pas? Il croise des zizi. Oh, requin pèlerin, il est là. Pourquoi j'ai eu cette image? Vous savez comment ça s'appelle les fleurs sur lesquelles on souffle et il y a le truc de pollen qui vole là. Ah oui. Ouais, mais bah on dirait un zizi recouvert. Ouais. Non, pas du tout. Non, pas le pissenlit, mais un... Mais un zizi. Un zizi. Un zizi. Un zizi avec du pollen comme ça dessus, quoi. On est d'accord ou pas, les gens? Je suis allergique aux zizi pollen. J'arrive et j'entends Lox dire il croise des zizi. Oui, temps, bah, j'ai juste résumé la situation. C'est pas ma faute. Si, c'est des pissenlits. Ouais. Ouh. Bah ouais. Là, c'est un pissenlit. Je fais un petit coup, je cherche de la nourriture pour le stream de Pinball Mag. On a faim dans le chat et je vois qu'on a deux bons plongeurs potentiellement pêcheurs.
Non, non, non. Non, nous, on non. pêche pas, nous. Nous sommes scientifiques, nous, s'il vous plaît. Ouais. Nous, on est pour les animaux qui vivent. J'ai trouvé une bourse loulou. C'est comme ça que s'appelle le une poisson. Bourse loulou. Bourse loulou. Ah, j'ai mon viseur qui commence à vibrer. À clignoter. Oh, moi, je vibre pas. Oh, les rascasses volantes, poisson scorpion, même chose. Moi j'explore une épave. Voilà, j'ai exploré l'épave. Bah, c'était rapide. Oui. Ah, le scan, ça va vite en fait. Ouais. Ton rouge, ok, ok, ça va. Oh, poisson papillon pyramide jaune, très joli aussi. C'est non mais juste bon bah voilà tu plonges tu nages de toute façon bah c'est beau. Bon faut que j'aille ailleurs. Je nage. On peut pas faire un être lâché quelque part là quoi. Dans PUBG on est lâché sur une autre un autre carré de la map là. Non mais j'ai déjà scanné non, en fait. Non je crois que tu peux revenir à ta position initiale. La baleine bleue. Béni attachant. Rigolo lui. Ah la caméra. Caméra. Je suis même pas à 50 mètres, j'aimerais bien aller plus bas. Mais il y a du sable, donc je peux pas aller plus poisson bas. Poisson clown à bande dorsale. Oh dis donc. Ah ouais, t'es vachement plus stylé qu'un vrai poisson clown qui est déjà qu'un stylé, vrai mais... Le pauvre non, mais oui, non mais... Tu dis qu'il est pas vrai. Non, c'est pas ça. C'est pas sympa. Poisson perroquet assis dans. Ah ouais. Mais je suis. Oula, le enfermé. Le mérou. Jusqu'où ? T'es où ? Je viens de délivrer, Lox. Mais je sais pas, j'arrive pas à partir. Enfin, si, mais j'arrive pas à aller plus bas. C'est parti, ma pote. Il y a Braden avec moi. Dégage, Braden, je m'en fous. C'est Braden, il t'emmerde ? Tu le dis, hein, je le dégoume. Vas-y, on pète la gueule. Faut que je... j'aille plus haut. Ouais, c'est peut-être ouais, ça. Je suis dans une crevasse, je pense. Ouais. Oula, je suis où dans la map? Oula, je suis en B9, je suis tout en bas de la map, moi. Comment je suis arrivé là? Oh, ce serait pas le coin des artichauts? Non, ça ressemble pas. Oh, c'est trop mignon. Oula, ça. Une demoiselle à queue dorée. Ah ouais, c'est trop mignon. Diagramme arlequin. Ah, j'aime bien. Pas le plus beau, mais j'aime bien. Son papillon. À peine. Oh, dis donc. On a regardé ça. Bleu vert. Non, je vais pas faire ça. Mince. Je me trompe j'aime de touche. Ça. Toi, la touche. Hé hé. Poisson parc épique, on dirait toi qui sourit. Bonne nuit, Alcharis. Bonne nuit. Merci d'avoir été là. Repose-toi bien. Après, vous allez peut-être rater le Kraken. Hein. Si vous allez vous coucher maintenant, imaginez tout ce que vous allez rater. Ah, je suis où, moi? Ah, je suis tout en bas, en G9. Créature identifiée. Ah oui. Bah oui, alors. Je viens vers toi, là. Oh, il y a une grotte. Poisson perroquet. Oh non, c'est peut-être juste. Ah, poisson chirurgien bleu, bien sûr. Oui. Oh, c'est beau ici. Ok. Oh, il y a une émoque choquée. Oh, j'ai pas eu le temps. Il pourrait y avoir une CMI dans cette zone. Ah. Pour la localiser, scannez toutes les créatures présentant des relevés anormaux. Ok, il pourrait y avoir une CMI dans elles cette zone. Votre... Ça marche, Ornéon. Je file aussi, bonne soirée à tous. Salut bonne Renard nuit. De Boissombre, bonne nuit à toi. Merci d'avoir été là aussi ce soir. Est-ce que je t'ai... Ça se trouve, ça c'est horrible si c'est le cas, mais ça se trouve je t'ai même pas salué ce soir, Renard. Oh. Je te salue au moment où tu t'en vas, ça c'est moche de la part du streamer. Un calmar. Mais j'espère en tout cas sincèrement que tu vas très bien.
Son œil au calmar, il est perturbant de fou. Regardez, regardez son gros œil. Mais non, j'ai jamais vu le film Abyss. Faudrait que je le voie. Abyss, c'est bien. Alors, c'est SF, hein, mais... Oui, oui. Alors, ça doit faire peut-être 15 ans que je l'ai pas vu, mais... Bah c'est ça, vu qu'il date, et que c'est pas un film dont on parle si souvent, finalement, parmi des classiques. Ouais. Et ben, ça fait que j'ai jamais vu juste pour cette raison. Tu vois un talon haut escarpin. Bah si, c'est bien. Salut Adéon. J'ai trouvé une statue de pieuvre en or. Hein. Ah ouais, voilà. Putain, moi je trouve un vieux talon dégueu d'une meuf inconnue, et toi tu trouves une statue en or. Super. Eh ouais, ça s'appelle le style. Ça s'appelle la teucha, ouais. Oh oui, je suis avec Kyle, mes deux aileux. Il est là, il collabore. J'ai trouvé un lingot d'argent. Eh ben moi, je trouve un guide. Ah, il y a une pierre à choper. C'est qui cet imposteur, effectivement? Ça se voit qu'il y a du fake. Moi, j'ai trouvé une mystérieuse dalle gravée. Je trouve pareil. Des objets un peu classe, moi. Pile le moment où t'as trouvé, j'ai trouvé. Le mystère était éclairci. Ouais. L'atout secret, doutou, je sais pas le temps de dire. Très bien, mais c'est trop longtemps que je suis pas passé sur tes lives et ça fait vachement plaisir. Bah, merci beaucoup, c'est adorable. Merci, Renard. Ah, mais t'es. Bah, on est à côté en fait, c'est peut-être pour ça qu'on a trouvé la plaque. En fait, on est à côté. Ah oui, salut. T'as vu? Je suis visible de loin. C'est vrai. C'est vrai, t'as... Ouais. Alors que moi, je suis plus en mode... T'es une émote. Attends. Don't move. Il a déjà move. Mais pardon. T'es sûr, je te montre. Je te montre ma nouvelle capacité. Attends, les mots qui avaient fait de votre esprit, vous avez légèrement vibré. Vas-y. Montre-moi ta mémote. Oh! GG! J'ai faim. Eh. Looping! Bon. Ouais. Eh, il y a Crazy Horse là qui veut se la raconter avec nous là. Ouais, bah j'ai fait pipi on dans le pile pas, où hein. Il est. T'es en train de respirer le pipi de Lox. Merci pour le follow, Anduniel. Bonsoir à toi. Bienvenue. Oh, Merou. Coucou, Anduniel. T'as fait plein de lumière. Mirage au sort des balises. Ah oui, là-haut, en haut à gauche. Ah, c'est parce qu'on on récolte des liquides. Ok. Putain, ouais. Je comprends rien en balise. Vraiment, t'en es marre. Moi non plus. Bah, c'est pour marquer, mais. Oula! Macaire. T'as regardé comme c'est bibou ça. Mission terminée, 9 sur 9. Ah, d'accord. Ah, du coup, on va nous dire de se barrer. Les créatures cibles ont été scannées. Cette mission est terminée. C'est pas fini, moi. Ah, mais... Bourse, loulou. Transmission. Allez, ici, salut, toi. Une source de signaux biométriques inhabituels a été détectée dans la zone. Voici des images prises par notre drone le plus proche. J'étais chez Lox, mais je me suis rendu compte que ça faisait quelques temps que j'étais pas passé ici. Je voulais pas que vous pensiez que je vous néglige. Oh, c'est gentil, Ornéon. Mais tu sais, moi, les viewers de Lox... voilà, quoi. Alors que moi, rire, van, second degré, tout réel. Ça, quoi. Mais Lox, elle vous veut juste pour être partenaire, de toute façon. Donc, voilà. Non, j'adore vos subs aussi. Oui, voilà. Mais si ça peut être en 60-40, c'est mieux. Mais, je n'ai rien vu de similaire dans mes bases de données. C'est vrai. Mais je n'ai rien vu de similaire, mais on voit rien avec ce angle de vue. C'est quoi? C'est la plante que quelque chose... Ah oui, voilà. Ah, mais c'est le même que tout à l'heure, en fait. C'est le même truc que tout à l'heure. Faut qu'on le trouve. Faut qu'on trouve cette zone. Ouais. Exactement. Alors. La tronche. En fait, quand ça s'en va, je crois. Quand il s'en va, il faut qu'on rescanne un nombre de trucs pour le faire réapparaître. Ah, ça doit être ça. C'est de dire s'il s'agit d'une créature vivante, mais c'est bien la source des signaux inhabituels. Ah, ça a une gueule, quoi. Approchez-vous et scannez-la pour en avoir le cœur net. La gueule de la bestiole. Ah, moi j'ai passé la... Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu la regarder encore, mais... Transmission du pif. Oh, arrête de... Hé, hein, voilà. Franchement, tais-toi. Tu saoules. Moi? Non. Là... J'ai rien dit.
Et non, Océania qui me parle après avoir parlé, puis cinématique, puis reparler. Ouais, c'est ça. En fait, je te saoule, tu veux plus faire de stream avec moi. En fait, c'est ça. Hein. Exactement, c'est pour ça que je suis là. Parce que je suis quelqu'un d'assez complexe, finalement. Bah, c'est bien que tu t'en aperçoives, parce que je savais pas trop comment aborder le sujet. Règle. Vas-y, on y vient en vrai. Oh, j'ai trouvé un trésor. Moi, je trouve des chaussures. Comme dans Animal Crossing quand je pêche. Bah, t'es pas sérieux. Bon, et ben je vais explorer là où j'ai pas exploré, c'est-à-dire là-bas, et peut-être que je vais trouver là ce qu'on a vu en cinématique, j'y crois. Oh, la bénitier. Salut Akela. Ça y est, je les ai mises, Akela, les rediffs d'Autorage, j'ai mis ça hier. Je suis à peu près à jour dans mes rediffs là. Bien joué. Hier. Oh, attends, il y a un truc rare. Ah, j'ai encore trouvé une plaque. Mince. Non, mince, je me trompe de touche. Ah, pardon, j'avais pas vu. J'avais pas vu, Akela. En tout cas, j'espère que tu vas bien. C'est très bien, elle en fera qu'avec moi. Mon plan fonctionne, nous dit Gail. Quoi ? De jouer ensemble. Tiens, tu sais que tu peux venir jouer à Endless Ocean avec nous si tu veux, plutôt que d'être en scred là avec ton Gail 2 à 2. À moins que tu sois déjà là. Bah c'est ça. Oh, il y a plein de grands barracuda. J'ai pas la ref. C'est une... C'est dans Claude France. Oh my god. Quoi? OMG. Une baleine bleue. Ah, t'as vu moi. T'as déjà vu? Ouais. Je la connais. Ah, je l'avais déjà vu dans les autres Endless Ocean, mais là... Elle est encore pas très grande. Oui, c'est vrai, mais elle est quand même nettement plus grande que tout ce qu'on a vu d'autre. Complètement. Oh, c'est un merou patate, ça. Oh là là. Alors, ça... Ou pas, je sais pas. Ça me fascine, alors ça je peux regarder des heures juste à regarder, mais que à regarder quoi. Voilà. Merou lance... Lancéolé. Non, c'est olé. Ouais, ça fait tellement de noms aléatoires. Ouais, un peu, ouais, c'est vrai. Salut Sulink, comment vas-tu? Le jeu a l'air incroyable. Ah bah alors... Oui. C'est Endless Ocean, il est sorti aujourd'hui sur Switch. On se rend pas compte si ça vous plaît ou pas, vu que c'est vrai. Nous, on est en kiff absolu. Franchement, c'est trop cool, en tout cas. On se prend trop bien au jeu. Voilà. De juste explorer, essayer de trouver des bébêtes, bon, c'est déjà trop cool. Et on est que en explo, c'est-à-dire qu'on a même pas fait le tuto, on a même pas fait l'histoire solo, machin et tout. Qui est peut-être pas folle, hein, mais... Ouais, mais au moins il y aura le côté un peu. Mais c'est ça. Débloquer des trucs, aller toujours dans des nouveaux endroits. Enfin, j'imagine après. Je dis ça, mais vu qu'on l'a pas fait du tout, si ça se trouve, ce sera différent. C'est vrai que c'est juste. Peut-être. Que c'est la formule des Endless Ocean, quoi. Ouais. Les deux premiers nous avaient. On s'en rend pas compte, nous aussi. Ah oui, d'accord. Bah, c'est cool. Désolé. Attendez, je suis pas trop venue ici. Moi, je veux trouver la limace, là, bordel. Comment qu'on trouve la limace? Ouais. J'ai toujours pas compris. Attends. Qu'est-ce qu'on a? Oula! Alors, il faudrait que j'essaye d'aller genre en... Allez, je vais tenter le E7. Mais clairement, il y avait pas beaucoup de profondeur. Il y avait les algues et tout. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'endroits avec beaucoup de profondeur. J'ai l'impression qu'on est dans une zone qui, majoritairement, n'est pas très profonde. Je sais pas. Je me trompe peut-être, hein, mais. Ok, je suis déjà allé ici. Bon. Mais en tout cas, si vous aimez. Précieuse. Ok. L'univers des océans, de la mer, des animaux marins et tout, c'est, oui, c'est un jeu absolument. Alors, quand on regarde la map, on peut voir aussi là où les gens ont trouvé des trucs intéressants.
que ce type pas là. Ouais. Créature rare balisée. J'irais bien là, moi. 40. Ah, on peut aller sur les noms des gens pour voir où ils sont. Et oui, je viens de voir ça aussi. Et faire ah, je fais rejoindre, tu peux directement rejoindre. Ah, je te rejoins. Comme ça, tout simplement. Moi, oh, voilà. Oh, ça c'est cool. Ah, coucou. Coucou. Bon, on est un peu l'un dans l'autre. On est... Pardon, mais enfin, je veux dire, c'est l'un dans l'autre finalement. Appelle pas royal, appelle pas royal, hein, ça va. Hein, Alors, je me demande. Morceau de chocolat blanc. Ah, oui. Tout à fait. Oh, ça m'a donné faim instant. En B6. Il y a quelqu'un qui a trouvé une créature rare, je me demande si ce serait pas là. Parce que, B6. Dans les autres endroits... Ouais, est-ce que tu y es allé? On voit un symbole de créature. Non, B6, je... oui, t'as raison. Est-ce qu'on irait pas? Ah, mais ouais, attends. Allez, go B6. Alors, ça va. Comme ça, en plus, on va apprend essayer des de trouver choses. Alors oui, sur chaque espèce et tout, on peut aussi lire le descriptif et tout. On oui, et il y a même, maintenant, pour les feignasses, il y a même l'IA qui nous le dit, ouais, en fait. Qui, à voix haute, ouais. Bon, c'est vraiment une voix basique, c'est pas, y a pas beaucoup de... Voilà, mais... au moins pour les plus jeunes, ça leur permet d'apprécier, aussi. Tout à fait. Oh, ça brille ici. Mérolon. Ah, ça brille là. Puis la petite musique qui détend bien, tout ça. C'est... Non, oh, ce c'est n'est pas un écran, ce n'est pas un fond d'écran animé, c'est un jeu vidéo. Non, c'est... Nous, on a une manette. Non, on dirige tout là. Mais franchement, ouais. Et oula. Oh, il y a plein de trucs bleus ici. Oh, des popoules. Oui. Ah, comète mexicaine, bah dis donc. Je les avais vus. Peut-être qu'ils nagent très vite et qu'ils viennent du Mexique. Peut-être. Ah, ouais. Du coup. On sent... Arriba, arriba, caramba. Je fais encore de moto saoulée, je suis désolé. C'est pas intéressant à 50 euros. Bah c'est oui, après ça, ça va dépendre de l'intérêt que vous avez pour ces jeux-là de toute façon. C'est ça. Si le côté marin, ça vous fait ni chaud ni froid, ou que c'est en mode ouais, c'est joli, mais voilà. Bah, ça fait cher. Oui, ça fait clairement cher. Après, comme je dis souvent, on n'a pas beaucoup de jeux qui parlent des fonds marins, en fait. Et c'est vrai. Du coup, bah, le fait simplement que ça existe, c'est déjà bien. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et après, il faut aussi voir que c'est quand même un jeu qui s'adresse plutôt aux jeunes. Et c'est un jeu Switch, donc oui, c'est limité. Vu qu'ils essayent de faire un truc un peu réaliste, ça va être limité au niveau technique. Oui, carrément. Donc voilà, c'est pour tous ces détails qu'on est plutôt assez indulgent avec le jeu, même si oui, bah là, faut voir aussi, on sait pas la durée de vie du jeu, on sait pas du tout l'histoire, on c'est sait ça. Pas à quel point il y a plein de trucs à débloquer ou pas, on sait pas tous les modes de jeu, parce qu'on est vraiment que bloqué dans notre petit explo. Je pense qu'on voit qu'un petit pourcentage du jeu là tout de suite. Oui. Bah déjà, on sait qu'au niveau 20 ou 30, on peut nager avec les animaux. Donc, ouais, ça. Ça peut aussi déjà amener un autre truc. Voilà. Mais nous, on rêverait hein, d'avoir des jeux en 4K super trop beaux d'exploration. Ah, bah des triple A de. Ah, bah oui. Disponibles sur PC pour pouvoir faire avec dans les meilleures conditions. Mais ça n'existe pas, en fait. Bah oui. Donc, c'est juste ça. Il y a Subnautica, il y a Under the Wave plus récemment. Et franchement, on ne saura pas trop me citer d'autres jeux un peu. Qui essaie un peu d'être réaliste, on va dire, au niveau d'explo, pas juste du contemplatif avec des poissons, quoi. Carrément. Alors, où qu'est-ce qu'on est donc? Ah bah on est pas loin. Faut monter un peu. Attends, comme ça? Oui, ok. Hop. Voilà. Ok. Oh, requin. Ah bah c'est le requin baleine du coup qui a été aperçu. Bon bah comme ça on le découvre dans cette zone. Requin baleine vert, oui je me dis il a pas la même couleur mais je pensais que c'était l'éclairage. Ok, c'est pas celui qu'on cherchait mais c'est autre chose. Attends, t'es où du coup toi là? Ah tais-toi, elle me parle encore l'IA. Je suis un tout petit peu montée. Elle m'a parlé aussi. Ok d'accord, je vais refaire rejoindre direct. En fait, depuis que j'ai trouvé ça, en fait, c'est tellement plus simple. C'est clair. Salut, Kif35. Juste derrière toi, il y a une bébête.
Enfin, ou pas loin. Ouais. Le requin baleine. Le requin baleine, ouais. C'est beau, hein. Bonne nuit, Valo, des bisous. Salut, Valo, des bisous. Il y a Echo the Dolphin aussi. Ouais, alors, ouais, c'est encore autre chose. Et puis... Mais moi, quand j'étais gamin sur Mega Drive, c'est notamment pour ça que je kiffais ce jeu, parce que c'était un dauphin sous l'eau. C'est ça. Et voilà, quoi. Alors, c'était très dur. Mais voilà, je parlais un peu en truc un peu récent, hein. C'est, ça va quand même... Ah oui. Alors, bien sûr, en cherchant, on peut se dire, bon, il y a des jeux de pêche, il y a des trucs et tout, mais c'est pas de l'exploration, hein. C'est pas de l'exploration sous-marine, en tout cas. Hop là. Non. Et après, il y a quelques jeux d'horreur aussi, mais même là, c'est sous-exploité. Parce que c'est pas le but. Et il y a un truc aussi, c'est que c'est pas non plus une simulation pure et dure, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec le timing de la bouteille d'oxygène, non, de machin, de trucs, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc pour chiller, quoi. Quand même. Et ça aussi, c'est on est réceptif ou pas. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut, peut saouler. Moi, les deux me vont. Ouais, moi aussi. S'il y avait une simulation très, très fidèle et tout, où tu devais tout gérer et tout ça, je pense que j'aimerais tout peut-être. Autant. Mais. Parce que du coup, aussi, le côté simulation serait aussi sûrement sur les espèces et ce serait cool. Mais j'aime bien aussi ça, qu'on en ait plein les yeux et qu'on se soit pas embêté. Ouais. Ah oui, I'm a fish, côté je l'avais simu, fait. Ça dépend vraiment comment il est foutu. Mais C'était trop mignon. Oui, oui, pardon, toujours, ouais. T'inquiète. Non, ceux qui me demandaient si j'avais fait le jeu I'm a Fish. Et oui. Pas fait en entier, mais j'y avais joué, c'était rigolo. Où t'étais un poisson et tu devais t'échapper un petit peu à la Nemo. D'accord. Oh non. Et après, oh il y a plusieurs poissons. Qu'est-ce que t'as vu? Des tons à dents de chien. Et j'ai cru d'avoir une armée de vampires face à moi. Pourtant, ils sont normaux, ils sont tranquilles. Ils sont, bien sûr. Mais je m'attendais pas à cette tête. Ah, il y a des poissons, vaut mieux pas les voir de près, ouais. Ouais. Eh ben, j'aurais pas trouvé la zone qui nous était montrée. J'ai cherché, hein, mais pas trouvé. Ouais. Oh, une vieille caméra sous-marine. Ouais, Agnor, ça peut être intéressant, ouais, complètement. À quoi que tu penses? La soirée se passe bien? Bah, la soirée se passe, mais juste. Oui, bah, on l'a pas vu passer, en fait. Parce que je viens de regarder l'heure, j'avais pas vu du tout. Déjà? Ah ouais, dis donc, ouais. Let's go! Bois flotté. Un grand requin marteau. Moi, je trouve du. Moi, franchement, je trouve du bois. Toi, tu trouves des trésors quand ça brille. Moi, là, j'y trouve un. Le dernier truc avant, c'était un talon. Et là, maintenant, c'est littéralement du bois. J'ai trouvé du bois. Bah, moi, je trouve une flûte traversière. C'est vrai? Oui, une flûte traversière. Oh. Oh. Un visiteur venu d'ailleurs. Venu d'ailleurs. Salutations. Alors là, il y a un poisson. C'est quoi ça? Bon, pour le moment, ah, la petite tortue. Ok. Bon, je vais me taper sur toi parce que tu dis ah. Bon, mais alors, je suis. Non, c'est juste que ça vibrait mon viseur. Je viens de trouver un message codé d'un pirate. Alors, le docu sur la pêche, l'imposture des aires marines protégées sur la chaîne YouTube Urbania. Ok à voir. Je trouve vraiment intéressant. Ok. Bah écoute, n'hésite pas à me MP le lien par exemple pour pas que j'oublie. QG. Il pourrait y avoir une CMI dans cette zone. Non, pas encore, mais bon, quasiment. Ah non, pas encore. Mais quasiment. En vrai, de toute façon, on n'a même pas le temps d'aller voir. Si elle nous embête, c'est elle, quoi, ça si elle nous emmerde. Oh là là, mais... Une orque blanche. Bah je t'ai dit que je l'avais vu l'orque blanche. Tu m'as dit oui, moi aussi je l'ai vu. Ah mais j'ai cru que toi tu me parlais en vidéo et tout. J'avais pas compris que c'était dans le jeu. Ah non, c'est dans le jeu. En vidéo j'avais pas compris. Ah parce que en fait j'ai déjà vu des orques blanches moi. Mais oh là là. Pardon, j'avais pas compris que c'était dans le jeu. Elle est trop pipoute.
Mais ouais. Oh là. Rang 12. Ouais, et là, normalement, t'as de la moula, tu vas pouvoir acheter des trucs. Ah, tu vois, on voit toutes les zones rouges, là où c'était, là. Ouais, attends, tu peux m'MP si je fais ça, tiens. Là, tu fais clic droit sur mon pseudo, tu pourras m'MP facilement. Mako me lâche. Ah, sinon je vais oublier le lien. Merci beaucoup, Astrius. Bonne nuit à toi. Et le nom, je vais oublier. Là, j'en parlais à Lox hier, mais vu que tu es passionné aussi de créatures marines, connais-tu la chaîne YouTube F-Nautilus ? F-Nautilus ? Non, tu m'en as pas parlé en plus. C'est faux ce que tu dis. C'est faux ce que tu dis, n'est-ce pas ? C'est faux ce que tu dis, là. Non, mais ça me dit rien. On a parlé d'autres chaînes YouTube hier. Ça me dit rien, en tout cas, pardon. Il y a des petits rototos. Ouais, merci, Kato, je veux bien. Qui deux fois, mais t'as pas vu ? T'es occupé ? Impossible. Tu faisais quoi hier ? Ah oui, il y avait le React, c'est peut-être pour ça. Eh ben, on n'a pas vu la créature, nous deux. Ça aurait été cool. Eve Nautilus. Mmh. Ok. Alors, personnalisé. Ah, mystère 99. Ah, on peut voir tous les mystères à collectionner. Ok. Ah, il y avait écrit. À 2h de VOD. Je vais arrêter la VOD ici, parce que de toute façon, on va continuer à explorer tranquillou. Bisous VOD, c'était la découverte. Bisous de VOD. Endless Ocean Luminous. En multi, seulement le multi. On verra la suite plus tard, parce que là, c'est bien. Et bisous.